bien. Bonjour à, à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous recevoir toutes et tous, Monsieur le Président de la République Nicolas Sarkozy, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête. Voilà donc euh, arrivée la journée qui va conclure nos travaux après euh, près de 150 heures d'audition publique, après avoir euh, auditionné 88. Spécialistes, ministres, hauts fonctionnaires qui ont été à un moment ou à un autre chargés des politiques énergétiques. Après avoir reçu plus de 5000 pages de documents complémentaires à analyser, la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France termine aujourd'hui ses cycles d'audition. Elle a le privilège d'accueillir, pour la clôture de ses auditions, successivement deux anciens présidents de la République qui ont accepté à notre invitation de présenter à la Commission leurs analyses et de s'entretenir avec les députés sur les orientations de la politique énergétique définies au cours de leur mandat respectif. Je tiens personnellement et au nom de tous les députés membres de la Commission d'enquête à les en remercier. Il s'agit en effet d'un précédent dans la procédure des commissions d'enquête, en tout cas sous la Ve République. Cette audition aura donc un format particulier mais la solennité est assurée par la simple présence de ces deux personnalités de premier rang. Cet événement, s'il a pu se réaliser, se traduit de mon point de vue par trois dispositions fondamentales dans votre qualité, Monsieur le Président de la République. D'abord, votre attachement à l'institution parlementaire, l'importance que vous avez accordée à la situation énergétique de la France, dont les implications sont à la fois sociales, économiques et géostratégiques et enfin la reconnaissance de la légitimité de l'intervention du Parlement dans le domaine de la politique énergétique, notamment dans le cadre de ses activités d'évaluation et de contrôle. Monsieur le Président, il vous revient donc d'inaugurer cette procédure, et c'est un honneur pour nous de vous accueillir à l'Assemblée nationale en nous donnant l'occasion de vous interroger directement. Pour introduire cette audition, je me limiterai à rappeler quelques jalons qui me semblent la justifient. Même si nous avons procédé à l'audition de plusieurs de vos anciens ministres et des responsables qui ont servi sous votre autorité, qu'il s'agisse de Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Éric Besson, Catherine Césarski, Henri Proglio ou Pierre-Franck Chevet. Vous avez été le président de la République française de 2007 à 2012 et, à ce titre, vous avez notamment assuré la présidence française de l'Union européenne en 2008. Avant l'exercice de ce mandat de président de la République, vous aviez été ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, entre autres. C'est en tout cas ce périmètre qui intéresse notre commission. Des auditions que nous avons précédemment organisées émergent plusieurs faits survenus ou qui se sont déroulés au cours de vos fonctions ministérielles, puis en tant que président de la République. Je citerai par exemple le débat sur la loi de programme de 2005 fixant les orientations de la politique énergétique de la France la première du genre dans le domaine de l'énergie, la réforme du statut d'EDF et de GDF, la création en société anonyme de RTE, Réseau Transport d'Électricité, le démarrage du chantier de Flamanville, le devenir d'Areva et d'Alstom, l'échec du marché d'Abu Dhabi, le rapport Roussli, le Grenelle de l'Environnement, la loi sur la nouvelle organisation du marché de l'électricité et la création du mécanisme de la reine, la sortie du nucléaire de l'Allemagne, Fukushima le gaz de schiste, la création du Conseil de politique nucléaire et du Comité pour les métaux stratégiques. Voilà quelques éléments de contexte qui méritent d'être rappelés, ainsi qu'au niveau international, les différents gaziers russo-ukrainiens déjà, le traité de Lisbonne, la crise de 2008 et celle de la dette, le grand emprunt et la revue générale des politiques publiques. Compte tenu des fonctions que vous avez exercées, je crois également utile de relever que trois États à la fois concurrents et partenaires dans le domaine de l'énergie nous intéressent et ont été abondamment cités dans nos précédents travaux, notamment l'Allemagne, la Chine et la Russie. Pour terminer ce propos introductif, je ferai état des relations qui se sont établies entre le Parlement et vos fonctions de ministre chargé de l'industrie, puis votre mandat présidentiel. En effet, dans l'esprit de la réforme constitutionnelle de 2008 que vous avez portée sur la modernisation des institutions, le Parlement a été régulièrement informé des décisions importantes prises dans le domaine de l'énergie. En 2004, lorsque vous avez présenté à l'Assemblée nationale une déclaration du gouvernement sur la politique énergétique, en 2007, à l'occasion d'un débat organisé à l'Assemblée sur le Grenelle de l'Environnement, ou encore le 18 novembre 2008, à nouveau un débat sur le paquet Énergie-Climat. Mais il ressort des auditions que nous avons organisées que les députés éprouvent quelques difficultés à connaître et donc à comprendre les décisions issues de compromis conclus souvent en dehors de cette enceinte, compromis européen, parfois compromis industriel. Vous avez souhaité, monsieur le président de la République, privilégier un mode d'expression interactif. Je vais donc vous céder la parole pour votre propos introductif et ensuite, si vous le voulez bien, nous procéderons sur la base de questions-réponses. Plutôt rapide, et j'en appelle donc aux membres de la commission d'enquête à euh, après 150 heures bien se souvenir de comment ça fonctionne. Nous sommes bien là pour interroger et échanger, pas pour débattre. Euh, ça n'est pas le sens euh, de cette enceinte. Voilà, merci, euh, Monsieur le Président de la République. Je vous, euh, je vous, cède la parole. merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Parlementaires. C'est émouvant pour moi de revenir dans cette salle que j'ai bien connue beaucoup plus jeune, et un lieu, et un mandat que j'ai beaucoup aimé. Euh, puisque, M. le Président, vous m'autorisez un propos liminaire, euh, je voudrais que ce propos vous permette de recontextualiser, comme l'on dit, la, la, la situation et d'avoir des éléments de compréhension sur le processus de décision. D'abord, je veux dire que le nucléaire est un sujet de président de la République. Pourquoi Parce que c'est un sujet d'indépendance majeure et parce que les décisions en matière de nucléaire sont des décisions non pas à décade, mais enfin je veux dire si c'est à décade, ça décade au pluriel. Le mandat de 5 ans, même le mandat de 7 ans, ne suffit pas, je, je, je l'ai vu même avec les éoliennes au large de, <coughs> de la Loire, euh, les éoliennes hors, euh, offshore, c'est moi qui les ai décidées, mais elles ont été inaugurées, <coughs> non pas par mon successeur, mais par M. Macron. Donc c'est vous dire le continuum. Quant au nucléaire, il a fait l'objet d'un consensus politique. J'ai été ministre de M. Mitterrand, pendant la cohabitation. Ce n'est pas lui qui m'a nommé, mais je l'ai eu comme président de la République. Il n'a jamais mis en cause le nucléaire. Donc, le nucléaire, c'est la première idée. C'est un sujet de président de la République. Ça ne veut pas dire que le président est un ingénieur. Ça ne veut pas dire que je suis capable de vous expliquer le processus. Mais c'est un sujet qui remonte sur le bureau du président de la République. Ce n'est pas, j il se trouve, j'ai été ministre, ministre d'État, mais ce n'est pas un ministre seul, fut-il le ministre de l'Industrie, qui peut décider. Vous voyez bien que le, ça engage trop de monde et trop l'avenir. Toute ma vie, toute ma vie politique, j'ai pensé que la filière nucléaire était une chance pour la France. Je n'ai jamais changé d'avis sur ce sujet. C'est le droit d'autre d'avoir un autre avis. Et j'ai d'ailleurs été très souvent accusé de faire partie, comment dit-on, du lobby nucléaire. C'est une plaisanterie. Le seul lobby qui existe, c'est le lobby antinucléaire. Le lobby antinucléaire est beaucoup plus puissant que le lobby nucléaire, puisque le lobby antinucléaire bénéficiait pendant des années de la bienveillance médiatique. Pourquoi je suis pour le nucléaire je n'ai pas changé, ce n'est pas très original ce que je vais dire à ce point-là. Mais parfois, il y a des idées vraies qui doivent être martelées, rappelées. Et ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas originales qu'elles ne sont pas exactes. On entend tellement de bêtises. J'ai toujours été pour le nucléaire pour une raison première simple, c'est que nous n'avons pas d'énergie fossile. Et ce n'est pas parce que c'est connu que ça ne doit pas être rappelé. Tout part de là. Si nous avions des énergies fossiles, naturellement, la discussion serait tout autre. La deuxième chose, pour remplir nos objectifs environnementaux, nous avons besoin du nucléaire. Les plus préoccupés par le réchauffement climatique devaient être les premiers défenseurs du nucléaire. La vérité, elle est là. Plus vous êtes préoccupé du réchauffement climatique, plus vous êtes préoccupé des, des questions environnementales, plus vous devez être pour le nucléaire. C'est invraisemblable qu'il en soit le, le, le contraire. Comme si on devait opposer énergie renouvelable et énergie nucléaire. Ça n'a aucun sens. Les partisans de l'énergie nucléaire sont tous pour les énergies renouvelables. Les partisans de l'énergie renouvelable, beaucoup sont contre l'énergie nucléaire. Ils devraient être pour. Je vous dis une chose nous ne pourrons pas remplir nos objectifs environnementaux. Vous voyez ce que je veux dire sur les objectifs environnementaux, d'émissions, si nous n'avons pas l'énergie nucléaire. Troisième argument pour lequel je suis pour le nucléaire, il est moins mis en avant, mais il est absolument capital. J'aurai l'occasion d'y revenir. La filière nucléaire a accumulé pendant 70 ans un potentiel extraordinaire de compétences technologiques qui ne sert pas que pour le nucléaire. C'est une filière qui tire derrière elle au fond toute l'industrie. Et le moindre signal de remise en question du nucléaire remet en question une filière de formation monsieur le président. Il faut des années pour que les meilleurs étudiants, nos meilleurs ingénieurs soient formés si vous envoyez un signal négatif sur l'industrie nucléaire. Vous cassez la formation, durablement. Hein c'est un peu comme l'affaire, vous savez, des quotas pour les médecins. Un gouvernement prend une décision de mettre des quotas euh, sur la formation de médecins. Sur le moment, la décision est totalement inodore. Dix ans après, vous vous rendez compte qu'il manque des médecins. Parce qu'il faut dix ans pour former un médecin. Ben, pour le nucléaire, c'est pareil. Et donc, nous, avions, nous avons là une filière fantastique, scientifique, de haut niveau technologique, qui traîne tout le monde vers le haut. Je suis pour le nucléaire parce que de toutes les énergies, c'est celle qui produit le moins de nuisances visuelles comme sonore, parce qu'il faut comprendre une chose, il n'y a pas une énergie qui soit totalement neutre. <laughs> Toute forme d'énergie, et justement parce que c'est de l'énergie, produit des effets négatifs plus ou moins grand, mais il n'y a pas une énergie disponible qui n'ait pas d'effet négatif ou indésirable. Et enfin, je suis pour le nucléaire parce que c'est grâce à ça que nous avions eu l'électricité la moins chère. Une fois rappelé ça, on se dit, mais c'est tellement évident, comment peut-il exister des gens contre le nucléaire Parce que ce que je viens de dire, encore une fois, n'a rien d'original. Enfin, c'est incontestable. C'est absolument incontestable. Bon, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre ça. Alors, non seulement, je vais aggraver mon cas. Je suis pour le nucléaire, je l'ai toujours été. Mais j'ai voulu faire un petit travail rapide, je vous rassure, pour récapituler tous les aiguillages. Enfin, pardon. Tous les moments d'aiguillage, aiguillage, vous comprenez, cest à où sur votre bureau arrive une décision, vous la prenez vous la prenez pas. Hein On ne peut pas faire, ah ben ça, ça ne m'intéresse pas, l'énergie. Un oh, le nucléaire, c'est le nucléaire, c'est pas pour moi. Hein je suis un juriste, donc je ne je comprends pas, j'y touche pas. Donc toute ma vie politique, j'ai pris des décisions en faveur de la filière nucléaire, toute ma vie politique. Quelles que furent mes fonctions. Mais pire je les ai toujours assumés publiquement, quel que soit le prix politique à payer, parce que maintenant c'est facile d'être pour le nucléaire. Hein. J'en vois qui qu font des doubles saltos, des triples saltos arrière, nous y reviendrons. Hein parce que là, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Mais je vais dire une première chose, là. Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne, des chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Irrationnelles, mensongères. Et on peut dire que les premières fake news, c'est là. C'était une hystérie médiatique et collective qui ne reposait, et je le démontrerai, sur rien. Donc, ce n'est pas tout de prendre des décisions pour le nucléaire il fallait les assumer. Parce que quand vous étiez pro-nucléaire, oh là là, alors là vous n'étiez pas moderne, vous verrez. La première décision, M. le Président, M. le rapporteur, que j'ai eu à prendre, c'est en tant que ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. C'est moi qui ai fait le choix du lancement des établissements de la troisième génération d'IOPR et du choix de Flamanville. On pourrait d'ailleurs revenir... Pourquoi j'ai choisi, enfin mon vide, j'ai signé et choisi Parce qu'il y avait un consensus. Il, il pouvait y avoir plein lit. J'ai pas voulu. Pourquoi Parce que M. Fabius était contre déjà là-bas. Merci de dire ça, mais je, je, je vais essayer. C'est vrai ou c'est pas vrai Bon. Et à l'époque, j'avais le choix entre les deux en tant que ministre d'État. Je n'avais aucune idée, je vous demande de le croire. Ce qui était important, c'est d'avoir des sources d'eau, comme, comme toujours lorsqu'on installe une centrale nucléaire. Faut Il faut qu'il y ait de l'eau proche. Moi, que ce soit Flamanville ou Penlis, je... non. pourquoi j'étais à Flamanville Parce qu'à Flamanville, ils étaient tous d'accord, et qu'à Panly, Laurent Fabius était contre. Mais j'ai pris cette décision, et je l'assume. C'est euh, 2004, c'est donc le démarrage des réacteurs de la troisième génération. Campagne présidentielle de 2007. Peut-être vous souvenez-vous qu'un animateur de télévision qui rassemble des ONG, qui fait défiler les candidats, c'était le maître des, des élégances, j'ai oublié son nom, bon. et ce n'est pas le moment le plus... comment dire le plus digne de ma vie politique, parce que je me suis prêté à ça, il y avait un tableau, alors on vous posait des questions, bon, voilà. disons que je voulais être élu, alors... Bon, bon. j'y ai été, je ne vais pas revenir là-dessus, j'y ai été. Et on avait toutes les ONG, tous les gens qui pensaient bien, qui étaient modernes, qui savaient ce qu'il fallait faire, c'était cool, et j'ai acté. Que je ferai le Grenelle de l'environnement, hein, qui était assez nouveau puisque ça associait les élus, les syndicats, <coughs> le gouvernement hein, et les ONG. Mais j'ai dit il y a une question que je vais sanctuariser ne votez pas pour moi. Jamais je ne remettrai en cause le nucléaire. Alors je vous, c'est pas pour faire malin, a, comme tout le monde je fais des erreurs bien sûr, mais là en 2007. Trois mois avant l'élection présidentielle, dire je sanctuariserai le nucléaire au sens sanctuariser, vous comprenez, au sens je ne le remettrai pas en cause si je suis élu devant les ONG, c'était pas tout à fait pareil. Et j'ai acté le désaccord. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une ONG comme Greenpeace, qui était dirigée à l'époque par celui qui sera le candidat des Verts à l' À la dernière élection présidentielle, a refusé d'y participer à cause de notre désaccord sur le nucléaire. Il voulait déjà casser la filière. Le 12 octobre 2007, enfin je suis élu président le 12 octobre 2007, je vais à Panly, sur la centrale, pour annoncer, j'ai juste une phrase, mais je la cite, la filière nucléaire restera le cœur de la production électrique française. Donc je suis élu depuis quatre mois, je vais à Panli et je dis pas touche au nucléaire. Et je soulignais à ce moment là que si la France produisait deux fois moins de gaz à effet de serre par habitant que les autres pays d'Europe, bah, il n'y avait pas de mystère, c'était le nucléaire. On ne pouvait pas me dire, d'un côté, il faut militer contre les gaz à effet de serre et vouloir détruire la filière qui en produit le moins. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune explication. Aucune. Et je précisais que naturellement, sur la centrale de Panly, <coughs> en octobre 2007, que nous allions développer le renouvelable, mais que le renouvelable serait un complément, en aucun cas une substitution. Parce que ceux qui expliquent que le renouvelable peut être une substitution mentent. Ils mentent. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je donnerai des exemples. Donc je n'ai jamais dit, je n'ai jamais pensé qu'il fallait soit le nucléaire, soit le renouvelable. Il faut le nucléaire et le renouvelable en complément, pas en substitution. 3 juillet 2008, je récidive. Alors là, c'est plus grave, puisque je suis au Creusot et j'annonce la construction d'un second réacteur nucléaire de nouvelle génération. Donc, j'assume être responsable des deux EPR, pas de un, des deux. Et pourquoi je le fais Parce que remettez-vous dans le contexte, très simple à comprendre nous étions en juillet 2008 devant une flambée des prix des hydrocarbures. Le prix des hydrocarbures explose. Donc naturellement, la réaction normale de bon sens consiste à dire on va avoir besoin d'énergie, l'énergie fossile devient de plus en plus chère, ça explose, renforçons nos capacités nucléaires, et je décide donc d'un second site EPR les centrales de la troisième génération, dont je propose qu'elles soient installées à Panly. Je vais plus loin, puisque la ministre des universités et de la recherche à l'époque, euh, Véry Pécresse, qui était ma ministre, j'annonce publiquement, les archives peuvent en témoigner, que nous aurons besoin de 1200 ingénieurs nucléaires de plus par an à partir de 2010, parce que naturellement, si vous faites des centrales, vous augmentez le nombre d'ingénieurs dont vous avez besoin, ça crée des emplois. Si vous fermez des centrales, vous le diminuez. C'est assez simple à comprendre, vous ne pouvez pas faire des centrales sans avoir les ingénieurs. Et donc nous décidons de muscler la filière pour avoir plus d'ingénieurs nucléaires. Je rappelle que le projet de Panly a été arrêté par François Hollande. Pourquoi personne n'en sait rien. Puis repris, Monsieur le Président, nous avons perdu 12 ans. Là, ce n'est pas un problème d'ingénieur, ce n'est pas un problème de moteur, ce n'est pas un problème d'organisation, hein ce n'est pas du tout ça. Nous avons perdu 12 ans sur Pondy. J'avais pris la décision, le site était choisi, tout était possible. Enfin, je veux dire, alors il y a d'autres problèmes techniques, je reviendrai. Mais là, c'est clair. Pourquoi Pour revenir là-dessus Le 6 février 2009, comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai dit, tiens, c'est bien les centrales nucléaires, je vais retourner. Et cette fois-ci, je vais à Flamanville. Nous avions connu la grande crise financière de 2008. Donc, on était en plein dans la crise. Et j'annonce mon intention de faire du nucléaire le moteur de la reprise économique. Oui, j'ai de la suite dans les idées. Je pense que c'est un atout économique. Je voudrais vous donner juste une chose. On avait un déficit très important du commerce extérieur. Un EPR produit 12 milliards, 12 milliards de kilo, kilowattheures par an. Dans mon idée, ça permettait d'avoir 600 millions d'excédents à l'export facilement. Parce que je voulais que la France, non seulement soit autonome énergétiquement, mais puisse exporter. Et dans un souci d'équilibre, j'avais cette formule, ce n'est pas parce que la France est championne du nucléaire qu'elle doit être la lanterne rouge des renouvelables. Et j'annonçais notre soutien au développement d'une véritable filière du renouvelable. Je précisais sous forme d'avertissement, il est très difficile de recréer de la compétence nucléaire dans un pays qui n'investirait plus dans cette technologie. La succession de périodes d'investissement massif et de périodes d'arrêt peut être destructeur pour une filière d'une telle intensité technologique. Je vous dis une chose. Les signaux désastreux, politiques, idéologiques qui ont été envoyés ont découragé les meilleurs de nos étudiants d'aller dans la filière nucléaire. Parce que contrairement à ce qu'on dit, la parole du politique, ça compte. Et contrairement à ce qu'on dit, l'action commence par les mots. Les mots ont un sens. Surtout en France, où on a l'amour des mots. Et quand vous, les politiques, vous avez peur du nucléaire, vous envoyez un signal que vous allez détruire cette filière parce qu'attention. L'arrêter, c'est la détruire. C'est comme si vous m'expliquiez que l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique, il n'y a pas de marée. Avec le nucléaire, vous avancez et vous reculez. Vous vivez ou vous mourrez. C'est ça, la filière technologique de haute intensité. Le 3 mai 2011, je retourne dans une centrale nucléaire. Je ne les ai pas tous faites, mais un bon nombre. Cette fois-ci, je vais à Gravelines. Et je dis, nous allons continuer à investir dans le nucléaire pour développer la production d'électricité. Monsieur le Président, excusez-moi, cette déclaration est importante parce qu'elle souvient quelques semaines après Fukushima. Quelques semaines après Fukushima, à Graveline, je dis, nous allons continuer à investir dans le nucléaire. Je provoque un tollé. Enfin, tollé. Pas d'applaudissements. Hein. Je vais y venir. Et je précisais d'ailleurs que sans le nucléaire, le, ce qui est vrai, le prix de l'électricité serait multiplié par 4. Parce que tous ces beaux esprits qui ont fait les malins sur 70 ans de compétences d'ingénieurs et d'ouvriers, parce qu'il faut voir dans une centrale le dévouement des gens, la qualité des gens. Je ne parle pas simplement des ingénieurs et des concepteurs, je parle de ceux qui, qui qu gèrent au, au quotidien. Ils aiment leur métier. C'est des gens extraordinaires. Mes propos donc suscitent l'indignation des écolos comme des socialistes, qui ne faisaient pas mystère de leur volonté de freiner, et quand je dis freiner, je suis gentil, brutalement, le développement de la filière nucléaire. Dans le même temps, j'annonçais qu'après Fukushima, je décidais de lancer un audit de sécurité sur les équipements nucléaires, Monsieur le Président, pas simplement les centrales, hein, tous les équipements nucléaires, sans exception. C'est-à-dire qu'en plus de la révision décennale, vous savez que l'autorité de sûreté fait à peu près 700 contrôles par an, et toutes les centrales passent au grand contrôle tous les 10 ans, après Fukushima, la France a décidé, par ma voix, d'engager un audit en plus de la décennale, sur toutes les centrales nucléaires et toutes les installations nucléaires. Je concluais d'ailleurs que c'était étrange de voir tous ces gens qui disaient le nucléaire est dangereux et qui refusaient qu'on investisse dans le nucléaire. Alors ça, c'est un truc, c'est une, ça serait risible si ce n'était pas si grave. Mais les mêmes, les mêmes qui disaient le nucléaire est dangereux refusaient de mettre un centime dans le nucléaire. Bah, par définition, si vous voulez, comme les mesures de sécurité augmentent, puisqu'on a le retour d'expérience de tous les accidents, les nouvelles centrales sont plus sûres que les anciennes. Ce n'est pas très intelligent de dire quelque chose comme ça. Mais c'est les mêmes qui mettaient en garde faussement l'opinion publique contre les dangers du nucléaire, refusaient, dans une logique incroyable, incohérence, de mettre un centime dans le nucléaire. C'est logique ça C'est cohérence là D'ailleurs, Mesdames et messieurs, excusez-moi, mais si le nucléaire est dangereux, pourquoi fermer Fessenheim Enfin, il faut tomber sur la tête pour faire une chose comme ça. Pourquoi Si le nucléaire est dangereux, admettons, allez, je me mets de l'autre côté. Le nucléaire est dangereux, Bah, ferme tout. Pourquoi Il faut sauver que les Alsaciens Enfin, pardon, monsieur le Président, c'est une démagogie, d'accord, ok. Non, non, ben, c'est invraisemblable, mais c'est invraisemblable de dire une chose pareille. Et, et le pire, c'est que tout ceci pouvait être dit sans provoquer de tollé dans les médias. Au contraire, je vais y venir. Le 7 juin 2011, j'espère ne pas être trop long, mais j'essaie d'être très précis et naturellement, tout ce que je dis peut être vérifié. Il hein n'y a pas de problème. Il ne s'agit pas de... J'aime pas me relire mes, mes propres déclarations, mais je crois qu'il faudrait être précis devant une commission d'enquête. Le 7 juin 2011, la décision des Allemands de fermer leurs centrales. Il y a un entretien téléphonique entre la chancelière Merkel et moi qui est, comment dit-on, franc. Où je dis à Angela, qui est une personne pour qui j'ai du respect, de l'admiration avec qui j'ai aimé travailler. Mais nous avons eu un désaccord. Elle annonce qu'elle va fermer, si mon souvenir est exact, les neuf centrales de Bavière. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe Ça va pas et me dit enfin Nicolas, tu as pas vu Fukushima Mais je dis d'où vient le tsunami en Bavière Mais c'était affreux, affreux. Bon, alors on pourrait me dire, et je, je l'accepte, que je n'ai pas publiquement. Euh, appuyer sur le, le désaccord, je, je l'accepte. Moi, j'ai toujours pensé que le couple franco-allemand, c'est important et qu'il faut pas trop jouer avec ça. Vous savez, entre Louis XIV et 1945, on s'est affronté tous les 30 ans. On peut s'étriper entre Italiens et Français, c'est aucune importance, on s'aime. Sur le couple franco-allemand, il faut considérer que l'acquis de la réconciliation et de la paix est tellement précieux. Donc je, je n'ai pas, c'est vrai, porté le, le désaccord violemment publiquement. Je me suis contenté de dire, bon, si les Allemands arrêtent leur centrale, ils auront besoin d'électricité, on va leur vendre. Parce que nous, on ne fermera pas. Et je précise publiquement, je vous de, demande de l'entendre, je dis, après Fukushima, un chef d'État doit garder son sang-froid. Point. Il n'y aura donc aucune fermeture en France. Vous m'entendez Aucune. Par parenthèse, quand les Allemands ont fermé leur, leur, leur euh, centrale, ils ont ouvert toutes les centrales à charbon, je le dis aux écologistes, qui balancent leurs particules sur Paris. Hein, comme vous le savez, avec les vents dominants, hein, on n'a pas besoin d'avoir de grandes recherches, on sait parfaitement ça. Hein. Donc, je voudrais vous dire. Que cette décision, est quand même, d'un cynisme fort. On ferme les centrales au prétexte qu'il y a un risque de tsunami en Bavière, on rouvre les centrales à charbon, mais ne croyez pas que les centrales à charbon ne polluent que l'Allemagne. Ça a été démontré depuis bien longtemps que les pollutions des centrales à charbon viennent jusqu'à Paris. Bah, C'est pas gentil de dire ça, mais vérifiez. C'est intéressant. Je rappelle qu'on est quand même en Europe. Enfin, le 25 novembre 2011, je me suis dit je n'ai pas visité la centrale nucléaire de Pierre-Latte, allons-y. Je vais donc sur la centrale de Pierre-Latte. Et je déclare la réduction de la part de l'énergie nucléaire provoquera une vague massive de délocalisation. Ce sera un cataclysme économique et une folie. On ne peut pas dire qu'on n'a pas mis en garde. Je peux tout entendre, tout comprendre. Ce n'est pas parce que c'est ma conviction qu'elle est bonne. Mais personne ne peut dire qu'on n'a pas mis en garde. Ah oh non, on n'a pas compris, on n'a pas vu. Non, 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 non. Non, 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 non. Il y a eu un débat. Il y a des responsables politiques qui ont dit ce qu'ils pensaient. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est trop facile. Il y a des gens qui ont assumé les responsabilités d'État. J'ai dit que ce serait une folie, un mouvement de délocalisation massif. Je visais l'accord PS Europe écologie de novembre 2011, qui quand même prévoyait, enfin les montes, un sens 24 fermetures sur 58 réacteurs pour réduire de 74 à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité française. Mais je veux dire à votre commission, je ne sais pas si vous l'avez noté, sans doute, compétent comme vous l'êtes, qu'il était prévu, en plus, la fermeture de l'installation de retraitement de La Hague. Pourquoi Mais pourquoi Quelle est cette affaire Est prévue la fermeture de la production de combustible de Marcoule. Donc, on voulait fermer l'installation de retraitement et l'installation de production. On voulait tuer la filière. J'ai vu, on parle de fermeture des réacteurs. Non, 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 non. Et ça nous ramenait où Ça nous ramenait à la décision de 98, je crois, de Lionel Jospin, pour faire plaisir à Dominique Vouanet, de fermer Superphénix, qui faisait du retraitement. Il y a une conscience. Il y a ceux qui ont voulu détruire la filière. Et il y a ceux qui l'ont promis. Et c'est très important dans une démocratie. Bien sûr qu'on souligne les erreurs des uns comme des autres, moi le premier, naturellement. Mais quand on a dit juste contre le courant ambiant, alors il faut que chacun ait le courage de reconnaître et de faire la différence. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et je regrette qu'on ne parle pas de cette affaire de, de, de Marcoul et de la Hague, parce que là, elle me semble plus illustrative, en quelque sorte, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, de la volonté de détruire la filière. Parce que les mêmes disaient en même temps, ah oui, mais vous savez, on aura un problème de, j'y reviendrai, de euh, d'uranium. Ah oui, mais mon ami, si on a un problème d'uranium, tu le dis avec ta main droite et qu'avec ta main gauche, tu fermes Marco et Lag, c'est quoi ça Ça veut dire quoi ça Alors, je ne veux pas polémiquer, est-ce que vous m'autorisez simplement à citer... Trois déclarations dans un florilège. Effrayant. Mais trois déclarations intéressantes. Monsieur Hollande, à la suite de ma déclaration de novembre 2011 à la centrale de Pierre Latte, je cite, En défendant le nucléaire, Nicolas Sarkozy montre qu'il est un homme du passé car il défend un modèle économique dépassé. Vous m'entendez Le nucléaire est un modèle économique dépassé. En l'occurrence, les faits ont parlé. Je ne suis pas sûr que le nucléaire ne soit pas plus dépassé que d'autres. Il y a mieux. Madame Aubry, premier secrétaire du Parti socialiste, avec le nucléaire, Nicolas Sarkozy est le président du siècle dernier. Et enfin, Eva Joli, que j'ai peu l'habitude de citer, candidate écologique à la présidentielle, entendez cela, entendez cela, et naturellement vous vérifierez. Hein. Défendre le nucléaire, c'est s'accrocher à la ligne Maginot ou au Minitel. Mesdames et messieurs, quelles que soient vos convictions, et je m'en excuse si je blesse tel ou tel ici, c'est grave. C'est grave. Une telle incompréhension. Défendre le nucléaire, c'est défendre la ligne Maginot et le militaire. Voilà ce qui pouvait être dit, pas au Moyen-Âge, en 2011. Ça se passe de commentaires, et si j'avais un commentaire à faire, je dirais ça fait honte. Non pas d'être contre le nucléaire, je peux comprendre, de dire ça. J'ai répondu, Monsieur le Président, ce que je crois toujours aujourd'hui le nucléaire n'est ni de droite ni de gauche, il est l'intérêt supérieur de la France. Ce n'est pas une déclaration que je fais aujourd'hui, c'est une déclaration que j'ai faite en 2011 et j'en je ai quasiment terminé. à l'époque, mes contradicteurs faisaient deux contresens historiques, terribles, terribles, monsieur le président. le premier, la demande d'électricité allait baisser. alors là, comment? pourquoi? Est-ce que c'est en France Est-ce que c'est en Europe Est-ce que c'est sur le monde Dans le même temps, où le monde passait de quand je suis né, il y avait deux milliards et demi d'habitants sur la planète. Je suis encore très jeune. On est sept milliards et demi. C'était multiplié par trois. Dans 30 ans, on sera plus de 8 milliards. Et à la fin du siècle, certains disent, on aura dépassé les 10 milliards. Et la demande d'électricité va baisser. Elle va baisser. On a assisté à des choses effrayantes. J'ai entendu un animateur de télévision, devenu ministre, dire dans la même journée, le matin, formidable, dans 15 ans, on aura fermé la moitié du parc nucléaire français, mais dans 15 ans, la totalité du parc automobile sera électricité. L'ami, tu récoltes l'électricité, toi Ça se récolte, ça se moissonne. C'est ce qui. Est posé. Non mais on peut entendre ça. Non mais comprenez-moi bien, je ne fais pas un, un comment un déni d'opinion. Ou, 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 euh, moi, je suis plutôt ouvert et, et je, je crois que le, le débat. Est, est, mais, mais, mais ça, ça, dire, dire cela, que la demande d'électricité allait baisser. Ça veut dire que ceux qui disent ça ne savent pas que l'électricité se produit par du pétrole, par du gaz, par du charbon ou par du nucléaire. Alors, deuxième contresens, c'est l'éolien qui serait l'énergie de remplacement. Ben, je, je, je vous cite juste un exemple. Si vous voulez remplacer les 24 réacteurs nucléaires premiers à la disparition, il faut 30 000 éoliennes. Ça représente 115 milliards d'investissements. C'est un détail, qu'on soit pour ou contre l'honneur, c'est un détail. Donc on va fermer 24 réacteurs qui existent, qui ne posent aucun problème, dont le voisinage n'a aucun problème. En général, les gens défendent leur centrale. Je parle sous le contrôle des élus. Vous-même, M. le Président, puisque vous êtes dans votre circonscription, je crois qu'il y a Fessonaï. Je n'ai aucune mobilisation des voisins ou des élus. Bon, comment On va donc enfermer 24, mettre... 30 000 éoliennes sur le territoire français et investir 115 milliards dans les éoliennes. Je, je le dis alors que sous mon quinquennat, la, puce, la capacité éolienne française a été multipliée par 8, puisque le parc, parc photovoltaïque français a été porté de 2 MW à 1700 MW. Enfin, et j'en aurai, là, c'était vraiment terminé, 9 février 2012, sur le site de Fessenheim, où je me suis rendu à deux reprises, parce que ces gens ont été montrés du doigt. C'est irrespectueux à l'endroit des travailleurs de cette centrale et des élus de la Je ne sais pas si vous imaginez que pendant des années, ils ont été montrés du doigt en disant ils sont dangereux. Je vous le dis devant cette commission d'enquête. C'est un mensonge. J'ai annoncé le 9 février que j'avais eu sur mon bureau le rapport des autorités indépendantes, à la fois sur la visite décennale et sur la visite post-Fukushima, le réacteur numéro 1, j'avais je, 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 pas le, sur le 2, hein. mais le réacteur numéro 1 était parfaitement sûr et l'autorité de sûreté lui donnait 10 ans de plus. Fessenheim, c'est 70% de l'électricité de toute l'Alsace. C'est 400 millions de bénéfices pour EDF. Mais vous vous rendez compte au moment où EDF a eu besoin d'être recapitalisé à hauteur d'un milliard, on a décidé de fermer une centrale sûre qui rapportait 400 millions d'euros, qui fournissait l'électricité d'une grande région industrielle, entre autres, comme l'Alsace. À 70%, sans aucune, vous m'entendez, aucune, aucune raison valable. Et quand on me dit que ça allait être remplacé par Flamanville, on savait parfaitement bien, à ce moment-là, que le chantier de Le Père de Flamanville avait du retard. Donc c'est pas vrai, la discussion n'était pas là. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Vouloir détruire la filière nucléaire française, c'est trahir l'intérêt national français. Merci. Bien, merci beaucoup, euh, monsieur le, le président, pour euh, ce propos liminaire déjà très complet. Euh, J'aurais euh, deux questions pour ensuite faire circuler la, la parole très vite. Euh, je vais vous les poser en même temps. La première concerne la place du nucléaire dans les discussions que vous avez pu avoir au niveau européen, notamment à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne en 2008. On voit bien aujourd'hui que le débat est très récurrent sur la taxonomie, sur la place du nucléaire, par exemple, pour produire de l'hydrogène. Quelle était cette situation en 2008 et au cours de votre quinquennat Et enfin, une deuxième question qui, elle aussi, est tournée vers l'international. Euh, il y a eu un certain nombre de tentatives euh, de vente euh, d'outils nucléaires à, à l'étranger qui ont échoué euh, avec euh, on l'a vu au cours de nos auditions des, des difficultés entre EDF et Arriva euh, comment est-ce que vous avez euh, traité euh, ce sujet là Merci monsieur le, le, le président bon. au moment où j'ai été président de l'Europe j'ai aimé être président de l'Europe parce que j'ai eu la chance, contrairement à ce qu'on a dit, d'être président en période de crise. Pourquoi c'est une chance Parce que la crise élargit les procédures. Vous pouvez vous échapper, spécialement à Bruxelles et à Strasbourg, de la mainmise technocratique. Car la crise provoque un tel choc tellurique que le politique reprend toute son utilité j'ai aimé, passionnément. Nous avions à l'époque assez peu parlé d'énergie, M. le Président, parce que je vous rappelle qu'au moment où j'ai fait la présidence de l'Europe, M. Poutine a eu la mauvaise idée d'envahir la Géorgie. Les chars russes étaient à 25 km de Bilissi. Je m'y suis rendu et à Moscou et à Belissi pour faire sortir les Russes de Géorgie. Ce qui a pris une certaine énergie et ce qui a. Euh, bloquer toute ma présidence, puisque vous savez, ces six mois, euh, nous étions au mois d'août, il euh, y a eu un grand débat pour savoir si j'avais le droit d'y aller sans mandat. Moi, je ne voulais pas de mandat, je voulais être libre. J'ai dit, vous, vous voterez. Hein Et puis, deuxièmement, on avait les conséquences, M. le Président, de la crise financière. Et je vous garantis que les débats autour de la table du Conseil, à ce moment-là, ce n'étaient pas du tout des débats sur euh, euh, le nucléaire ou pas le nucléaire. J'y reviendrai quand même. C'était des débats sur comment on régule. Comment on évite que tout explose? C'est ça que l'on a eu. Moi j'étais six mois président, donc euh, je ne vous dirai pas que j'ai mené des combats homériques pour défendre le nucléaire, parce que ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai, pas, pas grâce à moi, ce n'est pas vrai parce que ce n'était pas entre la Géorgie et la crise financière, c'était cela. Pour le reste, l'Europe n'a jamais été, je veux dire, dans sa technostructure pronucléaire. Et un certain nombre de nos amis et rivaux auraient été parfaitement contents de pouvoir, si un peu, l'avantage exceptionnel pour une fois que la France avait un avantage, que représentait le nucléaire. Et donc, pour faire inscrire le nucléaire comme une énergie propre, mais c'est un combat que vous n'imaginez même pas, mais même pas. Donc. Il y a à la fois de la jalousie, de la concurrence, et je peux le comprendre, après tout, nous aussi, la concurrence. Donc, tous les gouvernements français qui ont été pour le nucléaire euh, n'ont jamais bénéficié du soutien de la technostructure européenne, qui pourtant devrait, aurait dû dire, mais tant mieux, la France, c'est euh, le, le, le deuxième, quand il y avait les Anglais, le troisième moteur économique de la fusée européenne, tant mieux qu'ils aient cet avantage, faisant en profiter les autres, ça n'a jamais été... Euh, leur, leur état d'esprit. Et nous qui étions pour le nucléaire, on était à la fois attaqués euh, euh, pour ces raisons-là par l'Europe et médiatiquement parce que le lobby antinucléaire avait des relais médiatiques, mais d'une puissance fantastique. Fantastique. Bon, voilà pour l'Europe. Sur, les, sur le, les marchés extérieurs, ah, vous le savez, Monsieur le Président, parfois on gagne, parfois on perd. Ce serait tellement bien qu'on gagne, comme la politique. Ce serait tellement bien qu'on gagne à tous les coups. Peut-être pas, d'ailleurs. Parce que si on gagnait à tous les coups, on aurait moins de plaisir. Au fond, si on a du plaisir, vous aussi, d'être élu, c'est parce que vous regardez tous ceux qui ont été élus. On est morts en fond. Bon. Donc... Mais je veux venir sur Abu Dhabi. J'étais très déçu par Abu Dhabi. J'étais très déçu. De mon point de vue... Mais ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je peux me tromper. De mon point de vue, si on a perdu Abu Dhabi, c'est parce que euh, euh, Abu Dhabi avait à l'époque 10 millions d'habitants, ils en ont 12, et l'EPR était un peu surdimensionné. Si vous voulez, entre la centrale électrique de base, euh, sans mépris, et l'EPR, pour un pays de 10 millions d'habitants, je pense qu'on n'avait pas de chance. J'ajoute. Que les coréens ont promis des choses et ça s'est montré par la suite, puisque c'est les coréens qui ont gagné, qui n'ont pas pu tenir. Mais nous, on arrivait avec un quelque chose d'un peu surdimensionné et deux euh, euh, des mesures de sécurité entre nous qui n'avaient rien à voir avec ce que les coréens avaient vendu. Je ne dis pas que c'était dangereux, les coréens. Je dis ça, je pense que c'est pas dû au problème Areva euh, EDF. Ça n'a rien simplifié. Vous avez. Parfaitement raison de me faire dire ça, mais je pense que c'est un problème de produits sur étagère. Bon. Pour le reste, euh, euh, les centrales EPR en Chine euh, fonctionnent. Elles ont coûté, elles ont mis, enfin, ils ont mis euh, le double de temps prévu. Je crois qu'ils ont mis 6 ou 7 ans pour le réacteur. Il leur a coûté plus cher, puisqu'il a coûté euh, euh, une dizaine de milliards d'euros, mais ça fonctionne, et on a gagné. La Finlande aussi. Et euh, l'Angleterre, euh, ce n'est pas mon, mon, mon époque, moi j'étais tout à fait pour. Euh, ça fonctionne. Donc, le produit EPR, hein, et je relisais le rapport de Jean-Marcin Folles, qui, qui a été demandé, je crois, par Bruno Le Maire, mais qui est intéressant, et qui dit lui-même. Ce pas le produit OPR qui est en, 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 en cause. Il y aurait d'autres questions, sans doute. Mais je pense que, voilà pour l'export, je pense qu'on on aurait eu une centrale adaptée à des pays de 10 millions. On avait plus de chances. Merci bien, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Je vous remercie, monsieur le président de la République, euh, d'être venu euh, devant notre commission d'enquête, d'avoir euh, déjà. Euh, Pu faire un propos liminaire aussi précis et d'avoir déjà apporté ces très nombreuses réponses. Je voudrais vous poser une première question parce que vous avez parlé de l'énergie nucléaire comme une industrie et avec toutes les conséquences que ça a en termes de politique industrielle. Vous avez rappelé que vous aviez signé le pacte de Nicolas Hulot. Et dans ce pacte, un des engagements était celui de créer un vice-premier -ministre, vice ministre en charge de l'écologie qui avait aussi le portefeuille énergétique. Et vous avez tenu cet engagement. Et l'année suivante, en 2008, vous avez, en créant la Direction générale de l'énergie et du climat, rattaché pour la première fois dans notre histoire institutionnelle l'énergie à la direction du climat. Et puis en 2010, le choix a été fait, j'imagine votre choix, de ramener l'énergie au ministère de l'Industrie. Est-ce que c'est un pur choix administratif ou est-ce qu'il y a derrière cette évolution une question profonde d'organisation de l'État et d'importance que l'énergie soit rattachée à l'industrie Oui, c'est un choix politique que j'assume, on peut être contre ou pour. Je, nous, nous étions face à une vague de délocalisation. Moi, j'ai toujours aimé l'industrie. J'ai toujours passé mon temps à aller dans les usines. Je n'ai jamais cru... À une économie exclusivement de services, parce que s'il n'y a plus d'industrie, les services se mettent au service de qui <laughs> C'est absurde Et donc, je me suis rendu compte que la question de la fourniture d'électricité pour nos filières, Saint-Gobain et autres, était centrale, et que grâce au nucléaire, on pouvait gagner en compétitivité ce qu'on perdait en compétitivité avec le poids de nos charges sociales. Je ne suis pas en train de remettre en cause nos charges sociales, mais si vous voulez, on a des charges sociales et un modèle social beaucoup plus coûteux que les autres. On avait cet avantage d'une énergie moins coûteuse que les autres, mais c'était vraiment un choix pour l'industrie. Deuxièmement, quand nous avons fait le plan d'avenir, vous savez, le grand emprunt, je vais faire un, un emprunt, de, alors est-ce qu'il est de 36 milliards d'euros Moi, j'ai annoncé 36 milliards d'euros. Bon, Bercy est passé derrière, même quand on est président de la République, vous savez, ils vous vendent des, des fraises pour des tomates, et c'est 6 milliards d'euros, mais avec l'effet de levier, vous allez voir... Bon, bref, vous promettez 36 milliards, à l'arrivée, vous voyez 20, 20 milliards, vous n'avez pas compris, vous dépassez les 16 autres, mais il y a un effet de levier, on ne comprend pas tout, si ce n'est qu'ils ont gardé l'argent, après tout, c'est leur rôle. Bon, mais dans le plan d'avenir, j'ai prévu 1 milliard pour la recherche nucléaire, le projet Astrid, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle des centrales de la troisième génération, mais par pitié, ne faisons pas l'erreur de la deuxième à la troisième, préparons la quatrième. Je ne vois pas pourquoi Astrid est arrêtée. Ça n'a aucun sens. Il faut continuer. Je veux dire que la recherche pour Astrid, pour la quatrième génération, sert pour la troisième, sert même pour la deuxième. Et dans le cadre du Grand Emprunt, j'avais dit également, un euro pour le renouvelable, un euro pour le nucléaire. Juste dire un petit mot parce qu'il y a ouais, moi je suis consciencieux. Il m'arrive de voir ce que les gens disent. Hein? Et il y a une petite phrase qui ne m'a pas bien plu. M'a pas bien plu sur le déficit d'entretien des centrales ADF. Qu'est-ce qui permet de dire ça Qu'est-ce qui permet de dire ça Je vois les chiffres. C'est faux. C'est faux. L'investissement d'EDF dans les centrales a été triplé à ma période. Je ne laisserai pas dire que euh, euh, EDF euh, a, a bradé l'entretien des centrales. D'ailleurs, si EDF avait bradé l'entretien des centrales, comme dit l'autre, je ne m'énerve pas, j'explique, l'autorité de sûreté n'aurait-elle pas, pas protesté Il y a -t -il eu un réacteur fermé à mon époque. Donc, ça, je ne veux pas qu'on dise ça, parce que ce n'est pas exact. Je suis tout à fait prêt à répondre à toutes, toutes les questions, mais ça, vous ne le direz pas. Ce n'est pas exact. Et si je comparais, je ne veux pas être cruel, la situation d'EDF, quand M. Proglio la présidait, et après, je suis prêt à faire la comparaison. Je ne suis pas sûr qu'on perdra. Non. Donc, pour que les choses soient claires, je ne mets pas en cause le président de la République actuelle parce que Feschenheim, depuis 5 ans, était fermé. Je, je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire c'était possible d'arrêter la fermeture ou pas. Je ne les ai pas, monsieur le rapporteur. Donc je ne le dirai pas. Vous voyez ce que je veux dire Parce que quand on ne sait pas, on ne dit pas. On peut, on peut, on peut discuter. Je n'ai pas ces éléments, donc je ne peux pas le dire. Je peux comprendre, ça a été fermé pendant 5 ans, ça faisait 5 ans qu'on m'attaquait. En disant qu'ils sont dangereux, ils sont vieux, allez jeter-les à la poubelle. Je, 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 je ne sais pas s'il si faut le faire. Mais je ne laisserai pas dire que EDF à l'époque de M. Proglio, que j'ai nommé, n'entretenait pas les centrales nucléaires. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas votre question, mais c'était un peu ma réponse. Je ne me serais pas permis, Monsieur le Président. — Justement, très rapidement, deux dernières questions que je les pose séparément pour la, la bonne lisibilité de nos travaux. Vous avez été aux responsabilités lorsqu'a été décidée la construction d'un nouvel EPR. Et ensuite, vous étiez président de la République pendant une période clé. Et je voudrais juste rappeler ces, ces, ces chiffres pour qu'on les ait en tête. En 2006... Le projet de l'EPR, enfin l'EPR est estimé à un coût de 3 milliards pour une mise en service en 2012, en 2010 pour un coût de 5 milliards avec une mise en service en 2014, et en 2012, à la fin du mandat, à 8 milliards et demi pour une mise en service en 2017. J'imagine que vous avez suivi ce dossier de près, vous avez dit au début que le nucléaire était une affaire de président de la République. Quelles, quelles explications avez-vous et comment est-ce que vous, vous traduisez industriellement, politiquement, cette question de l'EPR je peux répondre là directement parce que c'est vraiment un sujet euh, difficile. Bon. inutile de vous dire, monsieur le rapporteur, que je n'ai pas d'explication technique. C'est d'une complication atroce. Mais si vous regardez les choses, donc Flamanville, les travaux ont commencé en 2007. On nous annonce l'ouverture de Flamanville pour 2024. Ça fera 17 ans. Pour un coût final estimé à 13 milliards, si j'en juge, alors on peut discuter si c'est 12, 13, mais si j'en juge euh, euh, les chiffres euh, euh, de DF. Pour moi, encore une fois, j'ai relu le rapport euh, de Martin Fols, qui est très intéressant. Il ne remet pas en cause la conception du moteur. Et d'ailleurs, il a raison, parce que Taishan, c'est les mêmes. Donc, allez-vous m'expliquer si le moteur est trop compliqué si ça marche pas, pourquoi ça marche à Taïchan et ça ne marcherait pas à Flamanville. Enfin, ça n'a euh, aucun sens puisque eux, les Chinois, l'ont parfaitement géré. Bon. Je crois donc qu'il y a un premier problème, c'est que les conditions de sûreté, je dis de sûreté, pas de sécurité, hein la sûreté c'est tout ce qui se passe à l'intérieur, la sécurité c'est ce qui se passe l'entour. En France, sont sans doute, et tant mieux, les plus fortes du monde. Bon. Prenez un exemple. Vous savez que maintenant, enfin maintenant, le, les, les EPR ont une double coque sur le. le puisque s'il y a un problème nucléaire, ça fond, et donc il faut mettre un ravier extrêmement puissant en dessous pour pas que ça pénètre la nappe phréatique, et il faut mettre une coque au-dessus pour pas que ça parte dans l'air. Donc maintenant, on fait une Double coque. Pour un EPR, la double coque doit résister au choc d'un avion qui se poserait sur le chapeau de la centrale. Bon. Je ne pense pas qu'en Chine, je ne dis pas qu'en Chine ils sont dangereux, ce pas du tout ce que je dis, mais les, 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 les choses sont les mêmes. Je pense qu'il y a un. Entre le moment où on a décidé Flamanville et le moment où on sera ouvert, les conditions de sécurité. Ont changé vous prenez un chantier comme le chantier de Flamanville, si mon souvenirs sont exacts vous avez plus de 3000 ingénieurs sur le site donc pense à deux je veux dire que nous avons perdu de la compétence en matière de construction de, de centrales puisque rien n'avait été construit depuis la centrale de Sivo, 16 ans. Si vous comparez avec les Chinois, je ne suis pas un admirateur absolu de Monsieur le Président Chi, mais ils ont construit en permanence des centrales. Donc, c'est un peu, si vous voulez, quand vous êtes dans un hôpital, on vous dit qu'un un hôpital, une maternité, qui fait, où, où l'obstétricien fait moins de 300 accouchements à l'année, ça devient dangereux. Parce qu'il perd la main. Ben, je pense que ce qui s'est passé aussi. Entre, entre cette centrale, euh, euh, la, la, la dernière euh, que nous avons construite, et Flamanville, on a perdu du, du, de la substance. Troisièmement, comme vous le savez, Taishan a commencé deux ans après la Finlande. Et Flamanville. Ils ont donc bénéficié du retour d'expérience de ce qu'on a mal fait. Troisièmement, certainement, il y a des faiblesses dans l'organisation d'EDF pour suivre le chantier. Je, 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 je ne, je ne je veux pas l'exonérer. Mais je vous demande de réfléchir à ça aussi, non pas d'être indulgent pour les ingénieurs, mais de comprendre qu'on est au top du top de la technologie. On est à l'avant-garde là. Ce n'est pas un truc qu'on peut faire avec la certitude. Vous voyez ce que je veux dire On est dans quelque chose, dans 50 ans, ceux qui nous succéderont, ben vous êtes très jeunes, mais en tout cas moi je ne serai plus là, ceux qui vous, nous, nous succéderont euh, diront c'est fantastique ce qu'ils ont fait comme EPR. Ça continue à produire l'électricité. Bon. Mais au début d'un processus, hein on n'est pas à l'époque de Jolot-Curie, on n'est pas à l'époque de la pile Zoé, hein, qui est précieusement conservée euh, à Clamart. Donc il faut accepter l'idée que quand on fait un saut technologique de cette complexité, ça ne peut pas être en abscisse et en ordonnée. Ce qui ne veut pas dire, monsieur le rapporteur, qu'il n'y a pas eu des erreurs, que tout n'a pas été fait comme ça devrait être fait, qu'il n'y a pas eu des bagarres à l'intérieur. Et puis en plus quand le discours ambiant, après, c'est de dire le nucléaire, on va le fermer, le nucléaire, on va l'arrêter, les gens qui travaillent sur la pointe du nucléaire et qui attendent ça en permanence, c'est pas non plus un encouragement. Hein et quand, entre-temps, vous ferme Panly, qui est le, le, la, la jumelle, en, en termes de centrale, voilà, euh, pour le reste, je m'en remets au rapport de Jean-Martin Volz, qui, qui me paraît euh, équilibré et capable de dire beaucoup plus de choses que moi. Parce que j'ai dit que le nucléaire, c'était... Du niveau de président de la République, mais ça ne veut pas dire que je comprends, pardon, le chantier de, de Flamanville. J'ai euh, été peut-être dix fois dans une centrale nucléaire. Dix fois, on m'a expliqué quand on est dans la centrale. Bon, je prenais un air concentré, je me concentrais à fond, mais au bout de cinq minutes, j'étais largué. Voilà, pour vous dire les, les. Non, je connaissais suffisamment pour prendre des décisions, mais le processus, c'est monstrueusement compliqué. Je vous remercie. Une dernière question, Monsieur le, le Président, qui a beaucoup occupé nos travaux, c'est bien sûr euh, la question des règles européennes et euh, le fait qu'en 2010, euh, la loi NOM euh, ait été adoptée qui a apporté euh, ouverture du marché euh, de l'électricité, qui a euh, initié le dispositif de l'AREN, qui a fait euh, l'objet de nombreuses discussions dans notre commission d'enquête et qui a fait évoluer le statut euh, des centrales euh, hydroélectriques, statut qui, dont la question n'est toujours pas... Euh, Résolu et l'ensemble de ces éléments, au vu des, des auditions que nous avons menées et des réponses que nous avons eues, semble avoir plutôt affaibli la situation de l'opérateur en charge de nos centrales et, d av et avoir affaibli de manière générale notre capacité à investir, euh, y compris dans les centrales hydroélectriques. Quel est votre point de vue là-dessus et, et sans anachronisme, quelle était la situation à l'époque qui a conduit ces décisions-là euh, non, je vais bien sûr y répondre, hein, monsieur le rapporteur, mais enfin, euh, loi Nôme ou pas loi Nôme, ça n'a rien à voir avec euh, le démantèlement de la filière nucléaire. <laughs> Moi, je veux bien, on peut, on peut être pour ou contre, je vais, je vais en parler, hein. je ne vais pas fuir, ce n'est pas mon genre. Mais enfin, <laughs> on ne va pas me dire que l'accord PS euh, écolo, <laughs> c'est à cause de la loi c'est une plaisanterie. Il y, y a un choix idéologique absurde qui a été fait. Euh, qui n'a rien à voir je vais répondre mais euh, quand bien même on n'est pas pour l'anome no euh, ça, ça alors on peut dire a no affaiblit EDF bon, enfin, bon c'est pas une raison vous avez la grippe on vous en met une, une, une autre sur, sur la tête, ça va mieux. Hein Comme ça, là où vous produisez 100 d'énergie nucléaire, on vous dit que vous serez produit à 50, et en plus, ça, ça, vous voyez ce que je veux dire. Pas, euh, cet argument est absolument inécoutable. Alors, j'ai eu à travailler de près sur EDF à deux, à deux reprises, monsieur le rapporteur. Un hein, pour le statut. Et je m'en souviens. Je m'en souviens parce que... <laughs> Et sympathique, c'est que vous vous n'avez pas besoin de parler pour savoir de quelle famille vous êtes. Bon, alors, donc, et je vous le dis, ça, moi non plus, moi non plus. Non, moi je suis de ma famille. Bon, donc, mais je vais même vous dire mieux. Peut-être peut je vais vous faire plaisir. J'ai beaucoup travaillé avec un homme que j'appréciais, qui s'appelle Frédéric Imbrecht, et qui était le patron de la CGT Énergie. Vrai ou pas Bon. Et nous avons eu ce truc qui nous est tombé sur le dos, qui était le changement de statut d'EDF, puisque euh, Bruxelles indiquait que pouvait accéder au marché sans aucun problème, puisque elle avait la garantie de l'État, puisqu'elle appartenait à l'État, et qu'il fallait changer de statut. J'ai dû le faire. Ce qui avait provoqué, j'étais à la centrale de Chinon, c'était une émeute, je crois. Mais j'en suis sorti vivant, c'était même assez sympathique. Finalement, on a pu le faire sans trop de drame. C'était ma première intervention. Je n'ai pas eu de choix. Euh, nous faisons partie de l'Europe. Je suis un Européen convaincu. Euh, L'Europe était persuadée qu'il fallait ouvrir à la concurrence. Et d'ailleurs, moi je suis plus pour la concurrence que pour le monopole, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a un monopole, ça se traduit en catastrophe. Bon. S'agissant de la loi Nôme, je rappelle que l'origine de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie se trouve dans les directives européennes de ce qu'on appelait à l'époque le paquet énergie. Quelle date 1996. 1996. Ce paquet énergie a été transposé dans la législation française par 30 textes. Le paquet énergie. 1996, hein, 30 textes. Ces 30 textes qui ont ouvert le marché à la concurrence ont été pris entre 2000 et 2001. Qui était Premier ministre On était en cohabitation. C'était Monsieur Jospin. Il faut, faut que chacun... Vous savez, dans la vie, il y a des dates, il y a des faits. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Et c'est à ça que sert l'histoire. Il ne faut pas hésiter à se replonger dans les livres, parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et la loi Nomme, c'est le résultat très exactement de ça. Couronné, excusez du peu, excusez du peu, monsieur le rapporteur, par le sommet de Barcelone. Sommet de Barcelone qui euh, se tient quelques mois avant que Jacques Chirac ne gagne euh, l'élection et que moi je rentre au gouvernement en, deux, en 2002. Voilà. C'est ça l'histoire de la loi NOM. Alors après, la loi NOM a été... Et qui est la conséquence de cette libéralisation Et moi, je ne vais pas vous faire la démagogie de dire que je suis contre. Je suis assez pour la concurrence. Même pour les trains. Hein Même pour les trains. Parce que la concurrence, ça va booster un peu la SNCF. Je pense que la concurrence, ça booste aussi, et on en a besoin, Air France, et que la concurrence, à l'époque, à l'époque, moi j'avais EDF, Areva et Suez, qui opéraient le nucléaire en Belgique. Mettez-vous à ma place de président. J'allais pas casser l'un pour l'autre. Non, je pas actionnaire. Il fallait faire attention à cela. On avait plein de champions. Maintenant, on en a plus. C'est mieux Non, je ne crois pas. À l'époque... Quand on a décidé Painville, la grande bagarre, c'est de savoir est-ce que c'est EDF ou est-ce que c'est Chuez On avait de la richesse. Bon, alors, moi j'ai le souvenir que quand euh, euh, Jean-Louis Borloo m'a proposé de fixer à, euh, à 40 puis à 42 de, 2 euros, vous savez, le prix de, de, de la reine, à l'époque. La polémique c'était plutôt que je défendais EDF au détriment des consommateurs. Mais regardez, c'était pareil pour le téléphone. Il y avait trois licences. Hein il y avait euh, 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 qui n'était pas orange, c'était euh, France Télécom, il y avait euh, euh, Bouygues, et puis il y avait euh, SFR. Quand j'ai décidé de la quatrième licence, je suis fâché avec beaucoup de gens, croyez-moi. Ceux qui l'ont eu l'ont oublié. Mais ceux qui ont vu un nouveau concurrent, ils savent quel était le coupable. C'est aussi de l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, vous avez quatre opérateurs téléphoniques. téléphonie. Qui, parmi vous, reviendrait sur les quatre? Qui me dirait, qui oserait me dire aujourd'hui que c'était un tort d'avoir quatre À mon avis, les quatre gagnent de l'argent. Les trois m'expliquaient que si je faisais un quatrième, ils mourraient. Ça faisait de la peine de les voir d'ailleurs, si émus. Bon, à l'arrivée, quinze ans après personne n'est mort tout le monde gagne de l'argent. il y a un quatrième opérateur et les prix du téléphone ont été euh, divisés par trois ou par quatre. donc moi j'assume que je suis pour l'ouverture à la concurrence. et l'idée qu'on pouvait garder edf reine du monde assise sur le nucléaire payée par les impôts des français sans concurrence et sans qu'aucun fournisseur ne puisse venir c'est une idée que je, je n'approuve pas. Alors, je ne dis pas qu'on nomme, c'est bien, je ne dis pas que les conditions n'ont pas changé. Tout ça, on peut en discuter. Mais, au niveau de président de la République où j'étais, les... autorisez-moi à rester sur l'autoroute et pas à prendre la départementale. Parce que, c'est quand vous êtes président, vous êtes au niveau de l'autoroute. Si vous rentrez dans la départementale, vous perdez. Bon, cette ouverture à la concurrence, par principe, ne me choque pas. J'accepte tout à fait le débat avec d'autres. C'est un choix tout. C'est un débat tout à fait, euh, à la différence du nucléaire, ce débat-là, il est, il est intellectuel, il est intéressant, il est parfaitement légitime. Il y a ceux qui sont pour la concurrence comme moi, il y a ceux qui ne sont pas pour. D'accord, voilà. Hein Et donc, j'ai accepté la loi NOB qui nous mettait en conformité avec nos obligations euh, euh, européennes. Faut-il la, la changer Peut-être, j'ai pas de problème. Mais sur le raisonnement de base d'ouverture à la concurrence préférable. Au, au monopole. Bon, moi qui n'ai jamais été un admirateur de Staline, des communistes du modèle chinois et tout le reste, je vous dis je suis pour l'ouverture à la concurrence. Bien merci euh, monsieur le président, on va faire passer euh, la parole par euh, ordre d'importance des groupes politiques au sein de notre assemblée comme il est de coutume et puis après un premier tour de parole, ensuite euh, on poursuivra avec euh, les autres députés qui membres de la commission qui souhaitent poser des questions. Euh, alors, pour commencer, pour le groupe Renaissance, qui m'apprend, Madame Pouziref. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Sarkozy, euh, eh bien, écoutez, vous avez répondu à la plupart des questions euh, euh, et, et vous avez mentionné tout d'abord, effectivement, que le nucléaire appartient à... À, est un domaine qui appartient aux régaliens et éminemment, et, et, et même au président de la République. Alors, aussi, euh, cela peut-il expliquer qu'il y ait eu quelques arrière-pensées euh, politiques euh, et, et que certains aient saisi des occasions, euh, effectivement, comme euh, la catastrophe de Fukushima. Euh, c'est peut-être ce qu'a fait euh, Madame Merkel, c'est peut-être euh, ce qui euh, aussi, euh, je dirais, justifie. Euh, la position qui a été prise après, dans le quinquennat de François Hollande. Euh, donc, je voulais savoir quand même quel était l'état d'esprit en France, justement, après euh, Fukushima, euh, parce que l'opinion publique a quand même euh, euh, son importance aussi dans les décisions que prennent le, le politique. Euh, et je voulais revenir après, juste sur une. Euh, une mention que vous avez faite que vous, vous visiez peut-être des, des excédents de production d'électricité euh, dans l'esprit d'exporter de, cette électricité qui, qui effectivement euh, permet d'apporter de, de, de la richesse. Euh, et comment on peut concilier effectivement viser des excédents de production d'électricité avec euh, la reine en même temps, qui, euh, qui, qui est un système qui, qui bénéficie euh, peut-être un peu moins, effectivement, à, à la société qui produit euh, cette électricité. Donc, en, en l'occurrence, c'était EDF. Merci, madame, pour vos questions. D'abord, euh, les arrière-pensées politiques, j'en ai eu. Ce n'est pas ça qui me choque. Au contraire, qu'un qu homme ou une femme veut, veut être élu, il part pour gagner, pas pour perdre. Attention, là, on ne parle pas d'arrière-pensée politique, là. On parle de la destruction d'une filière majeure d'intérêt général. Ça n'a rien à voir. Et, euh, si vous voulez dire, parfois, il y a de la démagogie. Bien sûr. Est-ce que je l'ai été moi-même Certainement, madame. Bon. La politique, je l'ai dans le sang. Donc, euh, donc euh, j'ai aimé la politique. Et, euh, je, je trouve que c'est très noble. Et je serai toujours, moi, du côté de ceux qui choisissent l'engagement. Par rapport à ceux qui sont pour la rivière, les bas croisés, qui s'engagent sur rien. Bon. Hein Moi, je n'aime pas, pas les experts. J'suis un combattant. Donc, euh, là, mais vous ne pouvez pas dire que ça, c'est des arrières-pensées politiques, c'est autre chose. Alors là, on est, on est sur du dur. Là, pareil pour l'armée française. Pas, on pas, sinon, vous n'auriez pas fait une commission d'enquête, quand même. On n'enquête pas sur une. une une petite arrière-pensée politique ou une petite blague Non, 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 non. Ça, c'est beaucoup plus sérieux. L'opinion publique. Mais Madame, la grandeur d'un politique, c'est justement d'être contre l'opinion publique un moment. Hein. Vous savez, la politique, c'est la conviction, c'est pas la séduction. Oui, mais la séduction peut venir de la conviction. Elle n'en est jamais le préalable. C'est très important de comprendre ça. C'est dans cet ordre que ça se passe. On peut séduire parce qu'on convainc. Mais si on met la séduction avant la conviction, c'est un problème. Donc, euh, 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 sur le Fukushima, on a menti à l'opinion publique en disant que Fukushima est un accident nucléaire. C'est faux. Madame, les chiffres sont brutaux. Savez-vous combien il y a eu de victimes à Fukushima 12 000 du raz-de-marée. Combien y a-t-il eu de victimes C'est les rapports des Nations Unies. Par radiation. Un. Malheureux, je ne suis pas en train d'expliquer que... Un. Un. Bon. Fukushima, c'est un tremblement de terre de force neuve qui ne s'était jamais produit au Japon. J'ai été le premier visiteur étranger au Japon. Dix jours après Fukushima, tout le monde disait, il ne faut pas y aller, il y, a des radios, il y a de la radioactivité. Bon, je me souviens avoir traversé Tokyo, il n'y avait pas une voiture. Et il n'y avait pas un avion sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. C'est un, un tsunami de force 9, le 11 mars 2011. La vague était 30 mètres de hauteur. La vague est rentrée 10 km à l'intérieur des terres. Et j'ai vu un endroit, moi-même, où la vague a été à 42 mètres d'auteur. Et la vague a, a explosé les groupes électrogènes de secours de, de, de la centrale, qui sont tombés en panne, ce qui a conduit à une destruction du système de, de, de refroidissement et à la fusion du, 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 du réacteur qui a tenu. Il y, a eu des émanations, hein il y a eu des émanations. Les autorités internationales ont mis l'accident au niveau 7, euh, comme, comme Tchernobyl, mais les conséquences n'ont rien à voir. Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. Fukushima, c'est une catastrophe. Euh, D'ailleurs, il y a eu pour 12 milliards de travaux après Fukushima sur les centrales françaises, puisqu'on a mis des groupes euh, diesel de, de secours on a mis des réserves d'eau ultime enfin bref. On a, on, a, on a changé ça. Mais au Japon comme en France, c'était l'hystérie. Alors au Japon, on peut le comprendre, parce qu'ils étaient sonnés. Euh, J'ai vu le Premier ministre qui m'a dit Je ne peux plus tenir, euh, on va arrêter le nucléaire. Je lui dis Je t'en supplie, prends un peu de, de temps. Euh, je comprends, mais il y avait une émotion. Mais en France, c'était. y il, il, il croyait quoi Un tsunami sur le Rhin Donc euh, c'était ça l'état le, 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 d'esprit. Alors, après, sur l'AREM et sur tout ça, c'est éminemment complexe. Euh, on ne peut pas garder un modèle avec euh, EDF assis sur toutes les centrales nucléaires françaises qui ne vend pas son énergie aux autres. Vous voyez le système Et ce n'est pas l'Union soviétique ici. On ne peut pas marcher comme ça. Alors, je, je reconnais qu'il y a un côté un peu kafkaïen qui consiste à produire l'électricité. Et avant, je, je, je le reconnais bien. Moi-même, je me suis posé la question au moment donné. Mais la politique, et c'est intéressant ce que disait le, le président tout à l'heure dans son propos luminaire, s'il me permet, les compromis. Ah oui, et oui. Mais la politique, c'est pas écouter. Ça serait tellement simple. C'est interpréter. Parce que quand vous allez dans la rue, vous les députés, si vous écoutez ce que vous disent les gens, parfois ils vous disent rouge, ils pensent vert. Vert, ils pensent noir pour interpréter. C'est ça la noblesse de la politique. C'est de transformer des contradictions en énergie positive pour trouver une voie. C'est bien ça qui est le plus difficile. Moi, j'ai toujours voulu parler à la France qui travaille. Euh, euh, mais euh, comment expliquer euh, et convaincre les, les, les ouvriers qu'on est plus avec eux en récompensant le travail en davantage et en faisant le mérite. Mais c'est ça la politique. Alors oui, mais quel est l'autre système, madame On garde EDF assis sur le trésor des 58 euh, euh, réacteurs et on interdit à tous nos, nos, nos concurrents étrangers de venir vendre l'électricité. Oh, mais comment ça marche ça hein Comment vous faites fonctionner ce truc-là Oui, bah comment Oui, attends, non, ça a changé. C'est qu'on est dans le marché unique, ça a avancé. Que maintenant, nous, si les autres concurrents, madame, faisaient ça pour nous, on hurlerait à la mort. On hurlerait à la mort. Bon, c'est. Je ne dis pas que c'est simple, hein. je ne le dis pas, mais la politique, c'est ça. Et là, on est, on est en Europe. Moi, je suis très attaché et j'ai euh, dirigé la. la l'Europe, le, le, du cette, cette chance et répondu aux questions du Parlement européen c'était fantastique, 750 parlementaires 22 langues et ça fonctionne bon, 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 oui quand même quand même, ça fonctionne au sens qu'on n'est pas en guerre hein et quand je vois l'état des britanniques aujourd'hui hein, quand même on a, on a, on a envie mais c'est ce que disait le président c'est aussi des compromis madame enfin pardon, je réponds à votre question j'essaie de le faire au niveau où j'étais ça ne veut pas dire que euh, je ne dois pas descendre, hein. c'est pas du tout ça. Mais comment on réagit, comment on pense quand on est chef de l'État, qu'on n'a personne au-dessus, mais qu'on a beaucoup de gens en dessous, <laughs> avec les, les Français, Et, euh, il faut trouver un équilibre. Et c'est cet équilibre que j'ai trouvé, mais j'admets bien volontiers qu'il n'est pas définitif, euh, qu'il n'est pas parfait, mais j'explique le raisonnement. Hein de la même façon, quand j'ai fait les 62 ans, j'ai toujours dit que ce n'était pas une, 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 une réforme définitive. Je ne crois plus à la réforme définitive qui vaut pour 50 ans. Bon, et ben on a fait le nom. Voilà le raisonnement. Je crois que le raisonnement, il se tient, il est assez cohérent, il est conforme à nos obligations. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le changer Oui, j'ai pas de, de, de problème avec ça. Mais dire que les problèmes d'EDF viennent de là, non, ça, je n'accepte pas. Voilà. Merci. Excusez-moi. Merci monsieur le président. Alors pour le groupe Rassemblement National, monsieur Hubert. Monsieur le président de la République Sarkozy, merci pour vos propos lumineux et, et vos premières réponses assez directes. Euh, rapidement, voici trois premières questions. Euh, je voudrais revenir sur l'échec de 2009 euh, d'Abu Dhabi. Vous déclarez que c'est parce que notre offre n'était pas adaptée et trop euh, ambitieuse, pourtant euh, la puissance de la centrale coréenne est proche de celle que nous proposions. Le projet français était bien parti pour être pour être sélectionné, mais pour certains observateurs, vous le savez, le principal problème du projet français aura été la rivalité entre les différentes entreprises françaises et le manque d'unité en matière nucléaire. N'avez-vous pas eu des difficultés à faire travailler les géants français ensemble N'avez-vous pas eu parfois l'impression que nous faisions preuve de naïveté pour dire ça comme ça Là où les Chinois, Américains, Russes, Japonais avancent de manière, disons, un peu plus coordonnée. Vous avez dit au sujet de la décision de Lionel Jospin d'arrêter Superphénix que c'était une folie, pour reprendre vos mots. Vous auriez pu relancer le projet, pourquoi ne pas l'avoir fait Ensuite, et je vais m'arrêter là pour l'instant parce que je pense que les collègues ont d'autres questions. Euh, sur la question des ressources humaines, on constate depuis une, une vingtaine d'années. Que la filière du nucléaire peine à recruter, en cause le manque de perspective de la filière ainsi que son image. De nombreux savoir-faire ne sont plus maîtrisés, des compétences sont perdues. Qu'avez-vous fait pour remédier à ce problème euh, Merci, monsieur le député. Bon, moi, j'étais très déçu sur Abu Dhabi. Et je l'ai vécu de près parce que. Euh, Abu Dhabi, euh, euh, Mohamed Ben Zaïd, qui était à l'époque prince héritier, on a fait beaucoup de choses, puisqu'on a fait le Louvre sous une idée de Jacques Chirac, puisque j'ai ouvert la base militaire, qui est toujours là, personne ne l'a fermée, puisqu'il y a fermé, puisqu la Sorbonne. Bon. Je sais ce que m'a dit Mohamed Ben Zaïd à l'époque, que les Coréens étaient 35% moins chers et que leur système était plus adapté. Bon, Est-ce que c'était la vérité, M. le député, ou pas Je ne sais pas. Mais si un jour vous êtes aux responsabilités, vous verrez qu'on ne gagne pas toujours, comme pour les élections. Parfois, on perd. Est-ce que les rivalités existaient Vous avez raison, oui. Est-ce que ça m'agaçait Ah ça, oui. Et pas simplement là. Et pas simplement là. Je me posais souvent posé la question, est-ce que j'aurais pu euh, changer les choses plus tôt hein, Parce qu'on avait encore une fois Areva, EDF, Suez. Peut-être. Ce n'est pas, pas facile. Il fallait quoi Que je décapite Areva Anne-Lauvergeon était là, j'ai fini par la renvoyer. Plus tard, quand la situation était devenue impossible, je rajoute Alstom. Et je pense que s'il y a quelqu'un sur la scène politique qui a fait pour Alstom, je crois être celui-là. Hein Et j'ai pas beaucoup apprécié la disparition d'Alstom. Donc oui, il y a eu des rivalités. Vous avez raison. Il y a eu des rivalités. Mais mettez-vous dans la tête du président de la République. Allez, mettez-vous président de la République. Vous avez EDF Vous avez Areva Mais si, il faut tout... avoir des rêves, c'est bien, c'est important. Ce n'est pas pour ça qu'on les réussit. Mais il qui... y en a beaucoup qui ont rêvé... <laughs> il y a beaucoup qui ont rêvé, et, il y a, et, et peu, peu Bon, vous avez EDF, Areva, Suez. Qu'est-ce que vous faites Vous faites quoi Vous dites, toi, tu restes à la maison Mais Areva et EDF devaient travailler ensemble. L'un était pour le carénage, l'autre était pour le moteur. Ils devaient. Je deviens président de la République. Ça dure 5 ans. Je, je, je vais faire du mécano chaque fois qu'un politique fait du mécano comme ça, ça se termine comment Donc, oui, il y a eu des rivalités, vous avez raison. Oui, ça n'a rien arrangé, vous avez raison. Mais si c'était la seule solution, pourquoi on gagne en Chine Pourquoi on gagne en Finlande Enfin, d'être un petit peu honnête. La même organisation était en place. Elle nous permet de gagner en Chine, elle nous permet de gagner en Finlande. Donc, si c'était ça la raison, pourquoi on gagne là-bas et on perd là Ça n'a pas de sens. Donc, je vous donne le point. Il y avait de la désorganisation et de la rivalité. Peut-être aurait pu faire autrement, je ne sais pas comment. Si ce n'est se séparer d'une des personnes. Bon. En tout cas, je ne l'ai pas fait, pour vous dire. Euh, vous me dites chez les Chinois et les Russes, c'est plus coordonné. Je vous confirme. Mais je n'avais pas compris que c'était le système que vous admiriez. Mais peut-être que je me trompe. Enfin, oui, les Américains, ils ont une chose. Les Américains, c'est pas pareil, Monsieur. Je vais vous dire. Les Américains, vous savez pourquoi ils, gagnent les... ils ont gagné des marchés dans la vie Ça s'appelle nuclear umbrella. Voilà. Et les Américains, ils ont gagné les marchés sur l'Europe parce qu'ils ont la puissance militaire et que c'était vendu avec. Donc, je ne vous fais pas de l'injure de ne pas suivre les affaires étrangères ou les étranges affaires. Enfin, si vous croyez que les Américains gagnent parce qu'ils sont mieux organisés, non. Les Américains gagnent parce que c'est la première armée du monde et que quand ils vendent leurs équipements militaires ou civils, il y a le paquet qui vient avec. Bon. Et en plus, ils ont la monnaie mondiale. Ça aide. Voilà. Donc ne croyez pas que c'est une question d'organisation. Hein. Vous pouvez copier l'organisation des Américains, vous verrez que vous n'avez pas la puissance qui est, qui est derrière eux. Euh, pourquoi j'ai pas relancé Super Phoenix C'est impossible. Parce que pour le coup, quand vous arrêtez une filière, je rappelle que cette filière était arrêtée depuis près de dix ans. La relancer comme ça, j'ai mis de l'argent sur la quatrième génération, je n'ai pas mis de l'argent sur le retraitement euh, des, des déchets nucléaires. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a un, un grand sujet euh, sur l'uranium. Et il faut, me, me semble-t-il, de toute urgence, euh, nous mettre euh, sur cette question de, de l'approvisionnement, euh, euh, qui est aujourd'hui diversifié, puisqu'aucun de nos pays fournisseurs ne nous livre plus de 20%. Mais on peut faire de la recherche. Je crois que c'est l'uranium 138, ou 158, 138, qui est produit par nos centrales. Et qui semble-t-il on pourrait le réutiliser, voilà. Et puis sur, le, sur les formations, je vous l'ai dit, euh, la ministre des Universités a eu l'instruction de développer une filière de formation scientifique. C'est un problème qui ne concerne d'ailleurs pas que le nucléaire, qui concerne la France. On fait trop dans la philosophie, trop dans la sociologie, trop dans les études sociales, et pas assez dans les mathématiques et les sciences. C'est pas nouveau, mais le nucléaire en est le cœur. Merci bien. Monsieur le Président de la République, je crois que j'ai la triste responsabilité de vous annoncer que vous faites l'objet d'un boycott des députés de la France Insoumise. Je n'en vois pas ce matin. Je vais passer la parole à un député bah, du groupe LR. C'est dommage, mois. parce que franchement, moi, j'aurais entendu avec beaucoup de sympathie. Monsieur le Président de la République, merci pour vos propos liminaires qui ont été. Euh Très bien posé sur le plan calendaire par rapport donc, à votre fonction de président. Euh, moi, je voudrais revenir sur, sur la loi NOM et, et l'AREN. Donc, euh, fin d'année 2010, vous faites euh, voter la loi NOM et, et donc qui, qui met en place euh, l'AREN. Je voudrais euh, rappeler qu'à ce moment-là, euh, nous sommes exportateurs d'électricité et que de rentrer sur le marché de la concurrence, et que le prix du dernier neutron produit est de 39 euros le mégawatt, et que dans la, la loi NOM, l'arène est à 42 euros le, le mégawatt. Euh, depuis, euh, donc, les choses ont changé, et que cette arène, dans la loi, c'est clairement écrit dans la loi, est pilotable tant sur les volumes, à ce moment-là, nous produisons 400 TWh, et il est proposé d'inscrire 100 terawatts donc de mise en concurrence donc euh, dans l'arène, étant sur le prix par décret euh, donc euh, ministériel. Le... Aujourd'hui, nous produisons 240 terawatts au niveau du nucléaire. Vous l'avez bien, très bien expliqué. On, on sent bien que après votre mandat, les, les, les présidents de la République et les choix politiques ont été autres en matière de défense. Du nucléaire et du maintien de, de cette production nucléaire qui nous amène aujourd'hui effectivement à être donc importateurs d'électricité, d'avoir perdu notre souveraineté électrique. Quand nous avons auditionné Luc Rémont, le dernier PDG d'EDF, il nous dit que aujourd'hui, avec les, les travaux de grand carénage qu'il y a eu, donc qui permettent de justifier, de pouvoir, donc euh, euh, par décret, augmenter le tarif de la reine et je voudrais quand même qu'on puisse avoir votre avis éclairé sur, sur la chose et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, Lucremont nous dit que le coût euh, pour euh, EDF, c'est 135 euros du mégawatt. Ça voudrait dire que, logiquement, euh, par décret, nous devrions faire passer la Rennes, euh, à 135 euros du mégawatt à la demande d'EDF. Nous avons, au mois de, de juillet dernier, pris donc euh, la décision, donc à l'Assemblée, sur la loi euh, du pouvoir d'achat de faire passer le tarif de la reine à 46,50 euros du mégawatt. Et on nous dit que, sur euh, donc euh, directive européenne, c'est tout simplement euh, pas possible de, de, de l'appliquer ce tarif. Donc, vous avez été président de l'Europe. Euh, moi, ce que je voudrais savoir, c'est euh, Comment aujourd'hui, on voit bien les difficultés que ça pose à l'ensemble de notre économie française, ce tarif de l'électricité, ce tarif réglementé européen. Est-ce qu'il faut continuer sur la reine, vraiment la piloter et le faire passer à 135 euros, comme nous le dit le PDG des DDF Est-ce que c'est de stopper la reine, provisoirement et et est-ce que l'idée serait aussi, pour sauver économiquement euh, euh, nos entreprises, euh, d'avoir un tarif réglementé euh, national plutôt que de rester sur ce marché concurrentiel européen euh, dans, dans l'instant Merci de votre réponse. Bon, C'est une très très bonne question. C'est un sujet extraordinairement difficile. Pourquoi Parce que quand arrive sur le bureau du président de la République, quand arrivait <coughs> la question de l'augmentation des tarifs. Je me trouvais au milieu d'une contradiction. Je ne voulais pas qu'on augmente trop les tarifs. Je vous le dis, je vous réponds très sincèrement. Hein. Parce que si vous augmentez les tarifs, vous tuez une partie de votre industrie et vous diminuez le pouvoir d'achat des Français. Nous avons connu la crise de 2008, des subprimes, mais nous avons connu après 2010, la crise de la dette européenne. Donc, à chaque fois, je disais au ministre, oh, enfin pas trop fort, parce qu'il euh, y a le pouvoir d'achat, il y a la récession, je, 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 je ne vous rappelle pas le contexte économique. Mais en même temps, Monsieur le Président, en répondant ça, je sais très bien que vous affaiblissiez dans ce cas-là l'opérateur. Puisque l'opérateur, il veut des tarifs le plus élevés possible, non pas au prix du coût de production, mais au prix du coût de production plus. L'amortissement des investissements. Parce que le coût de production, quand j'entends dans le débat, ben le coût de production c'est 10, il faut qu'ils vendent à 10. Mais non, c'est comme pour les médicaments, parce qu'il faut financer la recherche, il faut financer tout ce qui va avec. Donc il y a une contradiction. Et il y a une contradiction, et je peux prendre tous ceux qui sont autour de la table, confrontés à cette situation, c'est pas facile. Et même ceux qui n'y sont pas, si un jour ils étaient au pouvoir, est-ce qu'on favorise l'entreprise et son développement ou le pouvoir d'achat ou euh, <coughs> les tarifs des, euh, euh, des usines ou des, <coughs> des entreprises Donc nous, on a essayé de s'en sortir peut-être avec une cote mal taillée qui ne ruinait pas EDF mais qui ne nous mettait pas avec 14% d'augmentation. Bon, premier point. Deuxième point. Vous avez prononcé un mot. Moi, j'ai aimé votre question dialoguer avec vous là-dessus. Tarif réglementé. J'aime pas ça. Parce que ça s'est mis toujours mal. Parce que le tarif réglementé, vous refusez des augmentations. Parce que le tarif réglementé, ce n'est pas pour faire des augmentations c'est pour les éviter. Hein Je connais assez peu de tarifs réglementés pour faire payer beaucoup plus cher. Je connais beaucoup de tarifs réglementés pour dire il oh, y a une élection, il oh, y a un rendez-vous, il y a ceci. Hein, C'est comme ça. Bon, ça se termine toujours mal. Parce qu'à la fin, il faut recapitaliser les entreprises, il faut payer la facture. Moi, je crois au marché. Enfin, sont calmes. Au marché régulé. C'est n'est pas du tout au marché euh, sans règles. Bon. Donc. -ce qu faut, qu'el niveau faut il aujourd'hui? Je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments du dossier, on peut dire ça, mais je vais vous faire une confidence, c'est pourquoi à un moment donné j'avais pensé à l'ouverture du capital de l'EDF. Je ne l'ai pas fait donc, ce que je dis, c'est pour le plaisir de la discussion et de l'ajout. Parce que je me disais deux choses un, l'État n'est pas un bon actionnaire au sens qu'il n'a jamais les disponibilités pour aider à investir. Et deux, dans le fond, une entreprise privée, il y a la loi de l'offre et la demande, chose. Donc c'était, j'ai caressé, je ne l'ai pas fait. Donc, euh, bon, mais je pense que dans les années à venir, le problème de l'ouverture du capital d'EDF sera clairement posé. Alors je vois bien qu'avec les centrales nucléaires, il y a un problème d'intérêt national, mais on peut aussi euh, trouver des formules là-dessus. Mais je crois que les différentes forces politiques doivent réfléchir me semble-t-il à comment sortir du système seulement de la régulation ou de la dérégulation pour trouver quelque chose qui mette notre grand champion français en capacité de conquérir des marchés étrangers de redevenir exportateur voilà moi je préfère vous répondre sur la stratégie sur les questions d'avenir que sur le seul domaine vous voyez monsieur le président de savoir à quel niveau il faut le mettre parce que je pense que le système tel qu'il est, est pas, euh, ne sera pas possible pour l'avenir si nous voulons avoir des grands champions énergétiques qui ne peuvent pas être gérés de manière, excusez-moi, administrative, hein, sans remettre en cause l'administration. Voilà. Euh, merci, monsieur le président. Je me permets une petite euh, incursion dans le, dans, dans le déroulé normal des questions pour laisser la parole à. Groupe GDR avec M. Jumel qui m'a indiqué qu'il a une contrainte. Monsieur Jumel. Merci, euh, Monsieur le Président de la République. J'ai beaucoup euh, aimé la première partie de votre démonstration, celle où vous réaffirmez la constance de votre engagement sur le mixte, votre euh, conviction sincère et non remis en cause pour la filière nucléaire, et euh, y compris euh, euh, l'argumentant sur... Euh, la priorité des priorités de la lutte contre le réchauffement climatique incompatible avec euh, l'absence du nucléaire dans le mixte. Mais je, je, je dois vous concéder que j'ai beaucoup moins aimé la deuxième partie. Parce qu'il y a une forme de contradiction, et c'est le sens de ma question, à réaffirmer, euh, et je crois que vous le dites en sincérité, euh, le rôle stratégique de la politique énergétique, l'industrie des industries. Euh, le rôle déterminant de la politique énergétique pour la souveraineté de notre pays, l'intérêt suprême qu'elle représente, y compris au point de justifier que les décisions stratégiques soient prises dans le bureau du président de la République, et de l'autre côté, avoir commis des actes, vous les avez rappelés en sincérité, 2006, la transformation du statut de l'entreprise, je m'en souviens aussi. Euh, et puis les dérégulations successives. Nous sommes quand même dans une période où l'explosion du prix de l'énergie, qui fragilise non pas seulement nos artisans boulangers, mais l'industrie réelle, milite pour une reprise en main de la puissance publique, milite pour décorréler le prix du gaz dans la construction du prix de l'électricité, y compris en réduisant l'allégeance aux Allemands de ce point de vue-là milite pour, euh, non pas euh, euh, la caricature euh, d'une nation administrée à la soviétique, mais pour que ce bien commun de première nécessité ne soit pas traité comme une marchandise comme les autres. Vous l'avez dit vous-même, on ne fabrique pas des barbapapas lorsqu'on produit euh, de l'énergie euh, nucléaire. Et donc je, je, je veux, euh, bon, sans nourrir euh, beaucoup d'illusions sur euh, la capacité que j'aurai à vous convaincre, que le libéralisme ne produit pas toujours... Euh, euh, les résultats qu'il euh, prétendait euh, commettre, mais attirer votre attention sur est-ce que la situation d'aujourd'hui, préoccupante d'affaiblissement de la filière, d'affaiblissement de nos savoir-faire, de risque même en plein hiver euh, de rupture d'approvisionnement, vous avez vu que euh, nous avons on nous a menacé cette euh, euh, hypothèse de délestage, ne milite pas pour euh, tout simplement. Euh, voilà, un État stratège, un État qui prend soin, un État qui régule, un État qui préserve les intérêts de la nation, un État qui prend soin de son industrie, et au bout du compte, un État qui dit à l'Europe que la, li la, libér la libéralisation libre est faussée. Parce que la reine, sa malformation congénitale, ce n'est pas euh, d'avoir tenté de concilier prix pour l'usager et rémunération pour EDF. Sa malformation congénitale, c'est d'avoir permis la vente à des marchands de savonnettes, des marchands de soleil. Euh, qui ne produisent rien et qui ont vendu de l'électricité, euh, achetée à bas coût à EDF, euh, sur le dos, au bout du compte de notre fleuron euh, et de la nation. Voilà euh, le sens de mon interpellation, conforme à ma sensibilité politique, et, et c'est plutôt bien euh, d'assumer sa cohérence et ses convictions jusqu'au bout, mais qui, je crois, est connecté aux préoccupations et à la situation grave que nous traversons dans le domaine de la politique énergétique. Non, est, euh, donc, on est à moitié d'accord, mal pas parié ça il y a quelques années. Bon. Euh, mais moi, j'aime bien votre façon de, 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 poser le, de poser le problème, parce que bon, vous me demandez de ne pas vous caricaturer, vous avez raison, vous faites pareil pour moi. Bon, vous n'êtes pas soviétique, je ne suis pas un libéral ou maniaque, hein. je ne suis pas madelin euh, euh, Et, 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 et sou, suffisamment longtemps, dans ma majorité, on m'a critiqué pour ne pas être assez libéral, pour ne pas maintenant être accusé d'être... Non. Mais restons là-dessus, c'est intéressant. L'État est stratégique et n'est pas gestionnaire. Ça, c'est une première chose. Et vous devez, avec l'honnêteté qui est la vôtre, faire la différence entre la décision stratégique pour l'État de se substituer au marché en investissant un argent que le marché ne mettrait pas pour démarrer une filière et la gestion de cette filière. Ce n'est pas la même chose. Hein, vous voyez le marché. Euh, euh, il n'aurait pas fait le nucléaire. C'est l'État. Mais une fois que le nucléaire est installé, c'est l'État qui l'a détruit. Confère ce que j'ai raconté. Donc l'État est dans son rôle. On peut se retrouver pour démarrer une filière, vous voyez, stratégique, qui ne démarrera pas spontanément avec des capitaux privés. Moi, je pense qu'une fois que la filière est démarrée, qu'une fois que c'est lancé, qu'une fois qu'on a des géants, il vaut mieux le secteur privé que l'État qui est un mauvais actionnaire et qui n'est pas en mesure de gérer ça. Deuxièmement, pour faire baisser les prix, vous dites ah les prix, je les régule. Non. Pour faire baisser les prix, vous augmentez la production. Si l'offre est plus importante que la demande, les prix baissent. Et le débat entre nous, c'est vous monsieur X qui fixe le prix à telle date à tel prix, et moi qui dis non. Dans un marché, dans une économie de marché, nous sommes une économie de marché. C'est l'offre et la demande. Augmenter la capacité nucléaire de production d'électricité nucléaire française, augmenter la fourniture, l'offre, et en augmentant l'offre, la demande sera inférieure à l'offre et donc les prix baisseront. C'est ça la, la réalité. Parce qu'à chaque fois qu'alors pour le coup on fait une barrière administrative, un jour vous êtes rattrapé par les faits. Et ça marche pas. Bon. Et c'est exactement. Alors, Rennes, bon, j'ai... Bon, je... mais... Alors après, il y a le problème du calendrier, madame. C'est quel moment et, et de la mesure. Mais c'est un débat intéressant. Je, je, je ne dis pas qu'il n'y a que de la vérité de mon côté. C'est pas très simple. Alors, on me dit, les biens de première nécessité, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Oh, non. Quand l'entreprise Danone... A besoin d'électricité pour faire fonctionner, euh, euh, je ne vois pas pourquoi. C'est alors le contribuable qui devrait euh, euh, payer euh, euh, pour Danone. Et après, vous allez hurler sur les dividendes euh, pour les actionnaires. Qu'est-ce que vous allez faire Le pays a besoin d'une filière nucléaire pour produire de l'électricité. Augmentons notre capacité de production d'électricité, c'est stratégique, et laissons les prix à l'offre et à la demande. J'ajoute que euh, vous êtes des gens humanistes. Vous ne pouvez pas dire ce que les Français font, nous, on l'interdit aux autres de le faire. C'est trop simple. Bon. Et enfin, vous avez pris une, 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 une expression, je me permets de vous dire, allégeance aux Allemands. Ne jouez pas avec ça. Euh, je sais que c'est euh, dans, dans le milieu politique français, les pays ne changent pas d'adresse ils ne déménagent pas les pays. Nous sommes voisins des Allemands, ils sont nos premiers clients, nous sommes leurs premiers fournisseurs, nous sommes liés. Si demain la France fait faillite, l'Allemagne est emportée. Et c'est bien pour ça, quand en 2008, je l'ai vu, j'ai expliqué à Angela Merkel, attention, hein, puisque la Grèce partait, l'Italie n'était pas loin, après l'Italie, c'était la France, j'ai dit, mais ne te réjouis pas trop, parce que si la France est emportée, quand une entreprise, pardon, la France n'est pas une entreprise, mais quand une... Une collectivité, une entreprise perd son premier client, euh, ça ne lui fait pas du bien. On est liés. On est liés. Et nous n'avons d'autres solutions. Croyez-moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. J'ai été élevé par mon grand-père qui a fait deux guerres et qui n'aimait pas les Allemands. Et je ne vous dirai pas comment il les appelait à la maison. C'est lui qui m'a élevé. Je sais très bien comment on les appelait. Et je me suis promis de ne jamais en dire de mal parce que ce n'est pas une question d'allégeance entre nous. Nous sommes voisins de l'Allemagne. Nous avons une responsabilité. Alors je sais très bien, quand les Allemands et les Français sont d'accord, ça exaspère tout le monde. Mais quand on est en désaccord, ça panique tout le monde. Il vaut mieux exaspérer que paniquer. Hein. Bon. Et quand le vent souffle, et si demain il y a une crise, croyez-moi, on ne va pas chercher le Luxembourg. Hein. On ne va pas chercher Malte. Je sais très bien qui est responsable. Hein. On a beaucoup closé sur Mercosur, etc. Très bien. Bon, on était bien contents de nous trouver. Hein. Parce que quand il fallait prendre les paquets de mer... Donc voilà, ça j'aurais. Je ne sais pas dans le sujet, excusez-moi, mais quand même, et je suis tout à fait désolé que les Allemands, pour des raisons politiques, voire politiciennes, n'ont pas fait le même choix du nucléaire que nous. Hein, parce que derrière tout ça, il y avait l'alliance avec les Grunen et, 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 et la stratégie, vous savez, allemande, qui est très différente, puisque en Allemagne, vous n'élisez pas un homme ou une femme, vous élisez un parti. Et c'est le chef de ce parti qui devient. En France, c'est tout à fait différent. Hein. L'homme ou la femme est élue et après le parti en profite. Bon, pas comme ça. Pas. Ah, regardez mes amis. Hein, quand même. Bon. Voilà, c'est tout. Après, l'énergie, c'est un débat passionnant parce que c'est au cœur des... des euh, des grands débats euh, économiques et politiques de la société française. C'est intéressant. Et on ne peut pas y aller avec un, une, une grille uniquement écologique. Euh, euh, idéologique. Idéologique. Euh, on, on, on doit trouver le passage dans des économies modernes, comment on concilie la nécessité d'un État stratège qui va investir en dehors des forces du marché et qu'on laisse le marché respirer pour définir le prix qui permet à l'économie française de vivre et aux consommateurs français de ne pas être écrasés. C'est plus facile à décrire qu'à faire, mais c'est quand même, on est au cœur d'un débat politique, me semble-t-il, noble et intéressant. Merci, M. le Président. Alors, pour le modem, Monsieur Millienne. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. le Président Sarkozy, de votre venue ici, de vos propos liminaires qui nous ont permis de constater que vous n'avez rien perdu, ni de votre verve, ni de votre sens de l'humour. Et c'est. C'était assez agréable. Non, mais toutes les questions étaient à peu près posées. Sur la reine, nous, on a un avis un petit peu différent. Et vous me direz si vous le partagez ou pas. C'est-à-dire que c'est bien facile de critiquer la reine aujourd'hui. Mais je pense que pendant des années, tout le monde s'en est satisfait tant que ça nous rapportait de l'argent. Et effectivement, la crise que nous venons de vivre pose problème. Mais je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc ça, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Et deuxième question, parce que je suis un petit curieux, vous avez parlé de continuum au début de votre propos liminaire entre les différents présidents depuis les années 70 et, les, et donc la mise en place de ce programme d'énergie nucléaire. J'imagine qu'entre les présidents qui étaient d'accord sur le, sur, le, sur, sur, sur le nucléaire, ça ne posait pas de problème au moment de la, la passation de pouvoir. Avez-vous essayé d'en rediscuter avec le président Hollande au moment où vous êtes passé le pouvoir Ou aviez-vous déjà considéré... Que c'était peine perdue et que la cause était entendue. Je en vous remercie. Bon, sur la REM, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Je, je, je dis simplement aux parlementaires que vous êtes, avant de changer le système, veillez bien à ce que le nouveau soit pas pire que le précédent. Pardon de cette <laughs> euh, euh, remarque, parce que quand on change les équilibres, attention. Bon, je sais que l'Europe travaille dessus. On va voir ce qu'il en sort. Je ne suis pas spécialement euh, confiant. Deuxièmement, le président de la République durant lequel, durant les, les, les mandats duquel il y a eu le plus d'ouverture de centrales, c'est François Mitterrand. <laughs> on peut dire tout ce qu'on veut, on peut expliquer, c'est ça, c'est la vérité. Bon. Donc quand on me dit que... Euh, les socialistes et contre le nucléaire, c'est fou. Enfin, c est, c est... Euh, François Mitterrand n'a jamais remis en cause l'engagement nucléaire de la France. Jamais. Absolument jamais. Et euh, le, le revirement de la, euh, du corpus euh, idéologique des socialistes, euh, c'est le moment où ils ont sont dit, pour gagner, on a besoin d'une alliance avec les écologistes. Il y a des choses comme ça. C'est vraiment de l'opportunisme politique, après tout. Mais c'est là. Bon. Alors, est ce qui s'est passé à la passation de pouvoir avec M. Hollande, on n'a pas parlé de grand-chose. Et je pense que ça s'est vu puisque euh, je l'avais accueilli à sa voiture et je crois qu'il m'a pas accompagné. Euh, ça vous montre je trahirai pas de secret il y en a pas d'ailleurs mais euh, les choses enfin c est, c est... il aurait pu dire bon il y avait la campagne pendant la campagne on dit des bêtises et puis au lendemain de la campagne mais euh, euh, pas en cause mais je me souviens du du texto euh, euh, carillonnant de madame royale promesse tenue au moment de la décision de fermer euh, Fessenheim. Donc euh, non seulement il y a une erreur de conception, il y a une erreur d'exécution, et il y a une erreur dans le temps. C'est-à-dire que c'est, pour reprendre la belle expression d'André Santini, ils ont été dans le mur en klaxonnant. Et je pense qu'ils ne voulaient rien entendre, rien écouter, et qu'on qu n'était pas dans quelque chose, si vous voulez, de, de rationnel. Comme après euh, Fukushima. Euh, C'était un nouveau Tchernobyl. Ça n'avait rien à voir. Mais ce n'était pas rationnel. Et c'est très intéressant de voir l'emballement médiatique, d'ailleurs, euh, comment le, les antinucléaires avaient une image euh, extraordinaire. Je me souviens d'une réunion à l'Elysée avec euh, comment euh, le dernier candidat écologiste, hein Yannick euh, Jadot. Qui était à l'époque présidente de, 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 de son ONG, et, et je lui disais Venez au Grenelle de l'Environnement, il, le, il y avait la frontière du nucléaire, et qui ne reposait sur aucun argument technique ou financier. Je dirais que c'était presque esthétique. Pour être moderne, et je vous ai dit ce que disaient Martine Aubry et Mme Joly sur moi, pour être moderne, il fallait faire moderne. Il n'y a, a rien de pire. Il hein n'y a rien de pire. Vous savez, euh, euh, Pompidou a démodé De Gaulle, euh, Giscard a démodé euh, Pompidou, euh, euh, Chirac euh, a démodé. Dé, bon. euh, moi, je l'ai un peu démodé. On ne peut pas dire à François Hollande qu'il est démodé. Euh, que ce soit, mais 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 bon. Donc le monde d'avant, le monde d'avant, si vous voulez, il ressemble comme une goutte d'eau au monde d'après. C'est toujours les mêmes éléments sur la table. Et d'ailleurs, c'est assez réjouissant. On a les mêmes défauts que nos prédécesseurs et nos successeurs auront les mêmes qualités ou les mêmes défauts. Ça, ça implique à la à la à la modestie. Mais c'était impossible d'avoir un débat rationnel. Oui, monsieur. De, comme on a eu, par exemple, avec euh, le parlementaire tout à l'heure sur le niveau de libéralisme, le niveau de, de contrôle. Là, on peut avoir un débat, vous voyez, monsieur le président. Sur le, le nucléaire, alors, je suis content que maintenant, votre commission, on peut en, en parler sans que ça provoque de drame et, et revenir calmement. Mais à l'époque, Fukushima, c'était un marqueur. Vous êtes chez les modernes ou chez les archaïques vous voyez, c'était aussi stupide que ça. Et je me souviens qu'en ministre d'État, j'ai signé Flamanville, Ni le Premier ministre ni le président de la République n'ont souhaité se porter en avant. Enfin, ils n'étaient pas contre, ils m'ont laissé faire tout à fait. Hein. Il n'y a pas de... absolument aucun problème avec ça. Mais porter le ce c'était pas quelque chose qui, qui... ils m'ont vraiment laissé faire. Vous voyez ce que je veux dire. Il faut, faut comprendre qu'il y avait de l'hystérie là-dedans. Je bon. je voudrais pas lasser la commission, mais Merci, quand monsieur vous le... me relâcherez, je partirai. <rire> <rire> euh, pour le groupe socialiste, Madame Battistel. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président de la République. Euh, je vais être rapide. Vous avez parlé dans votre avant-propos à peu près 45 minutes. Et seulement euh, deux minutes des ENR et 43 minutes du coup de, du nucléaire. Je voulais seulement rappeler que. Le titre de notre commission, c'est la perte de souveraineté énergétique de la France, et que je considère que euh, l'énergie, c'est un ensemble. Donc, il y a effectivement le nucléaire, mais il y a également les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, vous l'avez dit à un moment dans votre propos, Monsieur le Président, euh, que vous considériez qu'il ne pouvait pas avoir qu'une seule énergie, et que effectivement, l'énergie renouvelable était complémentaire. Donc, c'est pour ça que je m'étonne qu'on en ait aussi peu parlé. Et je vais me permettre d'en parler peut-être un peu davantage, puisque l'ensemble de mes collègues sont revenus à la fois sur ce qui a pu fragiliser à un moment, me semble-t-il, notre entreprise EDF, c'est-à-dire la modification des statuts, la loi NOM, la création de, de la reine, tout cela a été évoqué. Et, et je considère aussi... Que si vous avez parlé de 43 minutes de nucléaire, c'est que vous êtes profondément attaché au nucléaire et je respecte tout à fait euh, cette position. Et je crois qu'en politique, euh, le respect et, euh, de l'opinion de l'autre est important. On en manque euh, souvent. Et voilà. Ensuite, je considère aussi que euh, ce que vous avez euh, critiqué euh, dans le, ce que vous appelez l'accord euh, écolo euh, PS de, 2000, euh, de 2012. Euh, C'est-à-dire l'engagement euh, de réduction de, à 50% du nucléaire, ce n'est pas euh, être antinucléaire, parce que 50%, c'est une part importante de notre énergie euh, également. Et euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, le pluralisme de notre énergie est également important au regard des difficultés qu'on a connues, qui, qui, à mon avis, ne sont imputables à personne. La corrosion sous contrainte, personne ne pouvait s'y attendre. Et euh, a produit une baisse extrêmement importante de notre production dans l'année qui vient de passer. Et je pense que euh, Fessenheim aurait été ouvert, ça n'aurait pas changé euh, véritablement le cours du monde à ce moment-là. Donc euh, voilà. Donc je, je, je reviendrai également sur la question des, des énergies renouvelables, puisqu'on n'en a pas parlé à cette commission sur la décision que vous aviez prise sur le moratoire du photovoltaïque à un moment donné. D'autres personnes auditionnées nous ont fait part que euh, en nous disant: ça marchait trop bien, donc il a fallu l'arrêter. Euh, ça coûtait trop d'argent. J'ai cru comprendre ce que c'était donc le mécanisme de tarifs de, de, de rachat qui avait été posé au départ, qui du coup devenait euh, très coûteux pour l'État français, mais au lieu de stopper euh, cette filière qui finalement n'a pu reprendre que trois ans plus tard et donc a affaibli aussi euh, notre capacité euh, à faire, euh, est-ce que vous aviez réfléchi à ce moment-là à modifier euh, la, euh, les tarifs d'achat comme on a fait plus tard avec les compléments de rémunération C'est-à-dire que quand les prix de marché étaient plus hauts, on baissait évidemment... Euh, et, et puis, euh, il y avait, je crois, aussi un certain nombre de fraudes qu'il a fallu peut-être arrêter. Et c'était peut-être l'objet de vos décisions. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus sur ce sujet, parce que je crois que ça a quand même aussi stoppé et contribué à, euh, à la baisse de notre souveraineté, en tout cas. Euh euh, L'accélération pas suffisante de la montée en puissance des ENR. Et la dernière question à laquelle je tiens euh, beaucoup, c'est celle de la question de la décision de mise en concurrence des centrales hydroélectriques qui a pris euh, le ministre Borloo sous votre, euh, sous votre mandat qui nous a conduits euh, bah, à résister et je fais partie des résistantes que j'assume totalement puisque euh, j'assume aussi de n'être pas euh, euh, libérale sur la question du marché de, de l'énergie puisque je considère que c'est un bien important aujourd'hui un bien euh, nécessaire et qui ne doit pas être traité euh, comme un autre et donc, euh, ce qui s'est passé dans les dernières euh, années, les derniers mois, nous montre euh, que effectivement, on a, euh, on a besoin d'avoir euh, une souveraineté importante, et ça passe peut-être par un monopole euh, de ça. Euh, donc, je voudrais euh, que vous m'expliquiez aussi ce qui a pu conduire à céder aussi facilement, parce qu'à l'époque, c'était aussi facilement à la Commission européenne, qui, je le rappelle, n'avait pas encore mis en demeure l'État français, ce qui a été euh, peut-être fait un tout petit peu plus tard. Euh, voilà, sur ce sujet. Et puis le dernier point, c'est euh, dans la construction de la loi NOM, sur laquelle je ne suis pas favorable, mais euh, je respecte ceux qui l'ont mis euh, en, en place, euh, pourquoi n'avez-vous pas à ce moment-là euh, introduit dans la loi une obligation pour les fournisseurs alternatifs de, 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 de produire de l'électricité, de développer des outils de production, ce qui a été très peu fait, euh, très peu contrôlé. Et je crois que vous aviez dit à l'époque que c'était aussi pour créer de grands champions. Et finalement, on constate aujourd'hui qu'on n'a pas forcément créé de, de grands champions avec ce dispositif, puisqu'ils se sont plutôt sourcés. Euh, mais euh, n'ont pas développé des outils de production, ou, en tout cas jusqu'à il y a très peu de temps, puisque aujourd'hui ça commence à, à se développer. Merci beaucoup de vos réponses, monsieur le Président. Merci beaucoup, madame, de, de, de vos questions. Euh, C'est vrai, j'ai moins parlé d'énergie renouvelable. Mon successeur aurait fermé une filière d'énergie renouvelable, je n'aurais plus parlé. Pourquoi parler de quelque chose qui fonctionne Il y a un consensus. Oh, on est passé quand même. On est passé à 23%, si mes souvenirs sont exacts, de part d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de débat aujourd'hui en France, je connais, à part la question des éoliennes, pour d'autres raisons, mais je ne connais aucune force politique qui dise à tout prix, arrêtons les énergies renouvelables. Il n'y en a pas. Donc, donc devant la Commission, c'est normal dans la politique qu'on parle plus de ce qui fait débat que de ce qui ne le fait pas. Ce n'est pas que je ne m'intéresse pas aux énergies renouvelables. J'ai moi même, dans le grand emprunt, dit un euro pour les énergies renouvelables, un euro pour le nucléaire, c'était nouveau. Le Grenelle de l'environnement, c'était énorme. Mais la fiscalité écologique, je l'ai voulu, je l'ai fait voter par le Parlement. C'est le Conseil constitutionnel euh, euh, qui l'a euh, annulé, comme, comme vous le savez. Donc il n'y a pas trop matière à débattre des énergies renouvelables, parce qu'on est tous d'accord. Sur les énergies renouvelables. Qui viendrait dire aux Français, surtout pas d'énergie renouvelable Personne. J'ai dit tout à l'heure, la différence entre les partisans du nucléaire et les partisans du renouvelable, c'est que les partisans du nucléaire disent, il nous faut du renouvelable, absolument. Et les partisans du renouvelable, parfois, disent, pas de nucléaire. C'est absurde. Bon. Vous me dites, non, non, mais nous, on n'était pas euh, anti-nucléaire, on voulait juste se ramener à 50%. Mais heureusement que je n'étais pas anti, parce que qu'est-ce que ça ce serait si vous l'aviez aidé ah, oui, mais enfin, madame, non. C'est la destruction qui existe. Votre choix, on n'est pas sur une page blanche en, dans laquelle le Parti socialiste dirait, allez, on, prend, on crée 50%. Pas du tout, madame. On est à 75%, vous dites, on, va aller à 5, à 20, on va en supprimer la moitié. Ce n'est pas la même chose. C'est parce que vous détruisez une filière, parce que vous envoyez un signal extraordinairement négatif. Hein. Je ne vous le reproche pas à vous. Euh, euh, na naturellement, mais enfin, euh, c'est un, euh, euh, un, un, un choix qui était euh, extrêmement lourd. Alors, le photovoltaïque, après, je ne veux pas lasser la commission. Bon, quel est le problème du photovoltaïque Le problème photovoltaïque, c'est le stockage. Et d'ailleurs, le problème éternel de l'électricité, c'est que ça ne stocke pas. Voilà. Vous avez avec le photovoltaïque, et ce n'est pas, Monsieur le Président, remettre en cause le photovoltaïque ou M. le rapporteur que de dire ça. Vous un problème, c'est que le photovoltaïque produit de l'électricité, de l'énergie, quand vous n'en avez pas besoin, en été et en plein jour. Bah, dire ça, c'est insulter personne. C'est simplement réfléchir avec sa tête. Et comme ça ne se stoppe pas, ou très difficilement, si vous comptez que sur le photovoltaïque et que vous êtes dans un pays au climat tempéré, ça Marche pas, ou c'est décevant, en tout cas. Regardez les batteries électriques, ce qui s'est passé. Hein si ça marchait, ça saurait. Donc, j'étais bien obligé de dire, parce que oui, madame la députée, excusez-moi, énergie renouvelable, c'est un concept dans lequel il y a plusieurs maisons et toutes les maisons ne se valent pas. J'ai toujours pensé, c'est vrai, que l'éolien offshore était plus prometteur que le photovoltaïque pour la raison du climat français et des difficultés de stockage. Mais j'ajoute un autre problème, c'est que moi à un moment j'en ai eu assez. On faisait marcher que les Chinois. On subventionnait à fond. À fond. Et on faisait venir de Chine tous les panneaux. J'en ai un peu assez. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas utiliser, mettez-vous à ma place, un peu différemment l'argent. Euh, vous... Il y, y a un petit côté sur ce qui, ce qui fait que votre commission est passionnante, c'est qu'il y a un petit côté euh, sacré, religieux. Enfin, je veux dire, les gens rentrent dans le débat avec des, 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 des idées. Euh, bon, euh, renouvelable, renouvelable. Alors, et alors, une fois que vous avez dit, mis, le, pas vous, hein, madame, excusez-moi, je ne vous manque pas de respect, mais une fois qu'on pose le tampon énergie renouvelable, c'est bien. Non, réfléchis. Bon, le photovoltaïque coûtait de plus en plus cher. Et ça partait favorisé pour les entreprises chinoises. À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait penser à développer chez nous. Et euh, euh, l'éolien offshore me permettait d'avoir une, une, une énergie, enfin permettait qu'on ait une énergie nationale et sans les problèmes euh, de dénaturation des paysages, encore que, là aussi, disons les choses comme elles sont. Je porte ma part de responsabilité, hein. Mais j'ai vu le parc offshore euh, euh, Saint-Nazaire, enfin, au large de, sur le, de, de la côte sauvage, il y a des endroits où quand même, euh, moi j'ai expliqué que c'était grand comme une allumette, ça fait une grosse allumette. Hein hein bon, il faut, faut, faut avoir l'honnêteté quand même de reconnaître que l'éolien, y compris l'éolien offshore, parce que l'éolien offshore, vous ne le mettez pas au, au plein milieu de, de l'océan. Il faut quand même trouver des rochers sur lesquels vous mettez... Ces petites centrales et, et, et éoliennes. Et, et même à 12 km, comme euh, celle dont je, ce parc dont je parle, euh, ça, pose, euh, ça pose un certain nombre de, de questions. Bon, sur les centrales hydroélectriques, euh, euh, vous avez reçu euh, monsieur Borloo, euh, il a dû vous répondre. Euh, on n'avait pas effectivement reçu. La, la mise en demeure, mais c'est pas parce qu'on l'avait pas reçu qu'il nous avait pas téléphoné, qu'on savait pas ce qu'il en était. Bon, bon. Et, et se mettre en demeure, j'avais pas non plus envie que la, la France soit condamnée dans le contexte dans lequel nous nous trouvions, hein Non, mais tant mieux, tant mieux, je je, je le souhaite pas. Bon, euh, donc euh, c'est pas le problème des centrales hydroélectriques, je m'en suis pas occupé tellement que ça, mais voilà. Voilà ce que j'en sais. Pour moi, le futur des énergies renouvelables, je vous le dis comme je le pense avec modestie, la Terre devrait s'appeler la mer puisque 60% de la surface de la planète c'est de l'eau. Or, il se trouve que quatre fois par jour, 60% de la planète avance et recule. Et je pense que là, on a une source d'énergie potentielle, inépuisable, avec les problèmes sur lesquels on travaille dans cette usine fantastique qui est l'usine marimotrice de la Rance, que j'ai visitée plusieurs fois, qui est, qui est extrêmement intéressante. On n'arrive pas, ou très difficilement, à faire des métaux qui résistent au sel. Et par ailleurs, si on mettait des turbines dans, dans la mer, les courants, les marées, ne sont pas toujours assez régulière pour... Bon. Et je pense également que le froid, le froid est une énergie, et que dans les grands fonds, il y a beaucoup d'énergie. Moi, je crois beaucoup à cela. Et je pense que si j'avais des responsabilités aujourd'hui, je mettrais beaucoup d'argent dans la recherche sur la mer ou les océans comme production énergétique, beaucoup plus pour moi, euh, avec la modestie que je ne suis pas ingénieur, bien sûr. Que le photovoltaïque, dont je vois que malgré les milliards investis, on a beaucoup de mal à organiser le stockage de cette énergie. Bon, alors j'ai vu les débats sur les voitures électriques. Vous voyez comme les choses changent rapidement. Hein. C'est intéressant quand même de voir, ce pareil, le nucléaire maintenant, une majorité est pour, une majorité était contre. Mais les voitures électriques, je vous le dis, le débat ne fait que commencer. Et vous verrez que ça changera au niveau européen. Parce que là aussi, le coût des voitures électriques, un certain nombre de ménages aux revenus plus modestes ne pourront pas euh, y accéder. Et par ailleurs, je conteste l'idée que c'est les politiques qui définissent quelle est la bonne filière plutôt que qu'elle est la mauvaise. Parce que investir massivement dans la voiture électrique, c'est se priver d'autres technologies qui pourraient être elles aussi prometteuses pour l'avenir. Merci Madame. Merci. Alors, Madame Bess, et puis ensuite, je proposerai de prendre les questions en, en, en série parce que je ne voudrais pas abuser du temps, l'heure avançant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la République. <coughs> vous avez répondu à, à de très nombreuses questions. C'était fort intéressant. Euh, moi, j'ai une question concernant l'éolien. Euh, très rapidement, vous en avez parlé dans votre propos liminaire. Euh, quelles ont été à, à l'époque les, les raisons qui vous ont poussé à, à développer l'éolien, et notamment l'éolien offshore Vous avez évoqué un un, un parc que je connais bien, puisque les Pays de la Loire, je, je suis député de la Vendée, donc les Pays de la Loire, je connais bien. Euh, ça fait polémique aujourd'hui l'éolien en mer. Quelles ont été à l'époque euh, les raisons qui vous ont poussé à développer euh, l'éolien Madame, des raisons <laughs> Très simples. Nous avons la Manche, nous avons l'océan Atlantique, nous avons la Méditerranée, nous sommes une puissance maritime. Donc, il me semblait... Que c'était important politiquement d'utiliser ce potentiel. Hein Naturellement, si j'avais été Premier ministre de Hongrie, j'aurais pas choisi l'éolien offshore. Mais nous sommes un pays qui a une superficie maritime considérable. Deuxièmement, alors pour le coup, Madame, politiquement, je sentais monter la polémique sur l'éolien euh, sur site, et j'avais notamment le président Giscard d'Estaing qui était déchaîné contre l'implantation d'un parc éolien euh, là, dans les châteaux euh, de la Loire. Et je m'étais dit, essayons l'éolien euh, offshore, ça éloigne le bruit, ça éloigne les nuisances visuelles, et on profite de notre dimension océanographique pour le faire. Ça aurait été fou de ne pas le faire. Donc, c'est. Et je l'assume, hein, j'ai essayé d'être honnête, même parce que euh, quand j'ai annoncé. Moi, j'adore cette région, notamment la, la route de séances une des, des plus belles qui soit. Et, et, et euh, vraiment, je, je me suis préoccupé de, de, de cela. Hein. Et je dois dire que j'ai un peu sous-estimé la nuisance visuelle. Voilà. Mais le, le, le but. De L'éolien offshore, j'y crois. Bon. Et j'ai dit, mais pourquoi vous ne le mettez pas plus loin C'est 12 km quand même, c'est pas rien, hein, 12, 12 km. Bah parce que là, il y, y avait, vous connaissez la région, des rochers et, et, et des hauts-fonds, mais et, et on pouvait installer les centrales. C'est là où j'ai compris qu que ce n'était pas comme les, vous savez, les, les plateformes euh, pétrolières avec des pieds là, qui. Que vous mettez provisoirement, il fallait qu'on s'appuie sur quelque chose. Mais c'était vraiment un choix politique qui correspondait à la géographie de notre pays. Et en plus, je, je trouvais que c'était impossible de nous couper de cette source d'énergie renouvelable pour le coup. Je ne pouvais pas dire le, le photovoltaïque, ça fait le, le, les Chinois euh, le nucléaire, bon, on y va le, le solaire, on a du mal à stocker les eaux éoliennes. Il euh, y avait les pour, les contre, et je comprends quand vous êtes sous-unionnaire, c'est quand même pas très marrant, et pas faire l'offshore. Donc pour moi, ça me semble évident. Et, et, et c'est une décision du président de la République aussi, parce que euh, pardon, ça engage tellement le paysage et euh, l'écosystème que euh, ce n'est pas une décision que peut prendre seul dans un coin, enfin, dans un coin, excusez-moi, le ministre de l'Environnement ou le ministre de l'Industrie. C'est vraiment. Euh, il faut en, euh, engager. Et d'ailleurs, regardez, il a fallu trois présidents de la République pour que ça sorte. Entre la décision que j'ai prise et l'inauguration par le président Macron, il y a eu trois présidents. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre du coup les, les séries de questions. Euh, monsieur euh, Loubet. Il faut que vous couper le Merci, euh, monsieur le président. Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, euh, merci pour cette audition. J'aurai quatre questions à vous poser, deux sur des points de désaccord, deux autres sur, euh, pour obtenir des éclaircissements. Tout d'abord, pourquoi avez-vous défendu comme chef de l'État et continuez-vous à défendre le marché européen euh, de l'énergie qui aujourd'hui nous rend en termes de prix dépendant des prix du gaz, euh, alors même que l'alliance euh, du nucléaire et de l'hydraulique offre et offrait et continue d'offrir à la France euh, un prix particulièrement compétitif parmi les plus compétitifs d'Europe. Euh, et excusez-moi, mais dans votre réponse que vous avez apportée à Monsieur Jumel tout à l'heure, euh, vous avez parlé effectivement du couple franco-allemand. J'entends euh, toujours est-il que, aujourd'hui, et c'était déjà le cas euh, sous votre présidence, euh, le couple se fait malheureusement souvent, euh, je dirais, euh, de manière asymétrique. Euh, aujourd'hui, je crois que le, le déficit commercial de la France à l'égard de l'Allemagne en témoigne, près de 14 milliards d'euros de déficit commercial. Donc à mes yeux, euh, la question de la, de, de, de la préservation des bonnes relations avec l'Allemagne euh, n'est pas valable, si ce n'est, à la limite, faire de la France le dindon euh, de la farce. Euh, et ce marché européen de l'énergie, aujourd'hui, est en train de ruiner euh, notre économie et nos finances publiques. C'est une véritable perte de souveraineté en matière d'énergie. Deuxième question euh, encore sur les points de désaccord. Vous avez mis en place le système donc de la en 2011, nous en avons beaucoup parlé et je souhaite revenir dessus. Ce système donc impose à EDF de vendre 25% de sa production à des fournisseurs alternatifs. L'objectif, c'était de limiter les prix de l'énergie en créant artificiellement, par la loi finalement, de la concurrence. Donc vous nous avez effectivement exposé votre amour de la concurrence, mais fort est de constater aujourd'hui avec du recul, monsieur le Président, que eh bien, cette politique, cette décision a échoué. Elle a échoué parce que les prix de l'énergie ont augmenté, euh, encore une fois, alors que la France était parmi les pays les plus compétitifs. Elle a échoué parce que vous, vous aviez annoncé, effectivement, la création de champions euh, énergétiques français, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous avons tout un tas de fournisseurs euh, que les Français ne connaissent pas forcément, et que le principal champion industriel de l'énergie qu'est EDF se retrouve plus que jamais affaibli, euh, d'autant plus qu'un tiers de la dette du groupe EDF est directement liée à euh, l'arène. Troisième question, je, je ne comprends pas du coup comment vous pouvez continuer à défendre ce système-là. D'autant plus si je ne me trompe pas qu'il devrait normalement s'achever, en tout cas quand, quand il avait été mis en place en 2011, euh, en 2026, puisque sa durée de vie était d'environ 15 ans. Troisième question euh, concernant le PR de Flamanville, de que vous aviez donc lancé en 2004 euh, en tant que ministre de l'Industrie. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, l'imprévoyance euh, des acteurs industriels? Euh, et donc évidemment de l'État, mais euh, effectivement euh, des acteurs industriels, euh, quant au dérapage de coûts et de délais euh, que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes en, deux, en 2023, le chantier devait durer 7 ans et le, le réacteur n'est toujours pas démarré. Et actuellement, nous, vous le savez sans doute, nous sommes en train d'examiner un projet de loi sur la relance du nucléaire. Et le gouvernement veut faire le choix d'EPR de deuxième génération, qui sont des EPR qui se basent donc sur un design virtuel. Et monsieur, question, M. Oui Loubet, de façon synthétique, s'il vous plaît. Euh, oui, tout à fait, mais j'en suis même pas trois minutes. Donc ma question est, euh, monsieur le président Sarkozy, est-ce que, au regard du retour d'expérience finalement, euh, de ces dérapages en termes de délai euh, et de coûts sur le PR de Flamanville, est-ce que vous ne pensez pas que dans le cadre du projet de loi euh, actuel, on ne devrait pas euh, se mettre plutôt à construire les premières séries de réacteurs sur le PR première génération dont nous maîtrisons désormais euh, l'expérience et euh, la maîtrise technologique, plutôt que se lancer sur une nouvelle technologie et, euh, Risquer euh, d'être confronté au même problème qu'il y a eu pour le Père de Flamanville. Dernière question succincte, succincte euh, monsieur le Président. Je souhaiterais vous interroger sur les enjeux énergétiques qui ont entouré la guerre en Libye. Nous n'en avons pas parlé. Euh, la Libye exportait en 2010 plus de 10% de sa production d'hydrocarbures en France, euh, 14% en Allemagne ou encore 30% vers l'Italie. Donc l'Europe était effectivement un de ses premiers débouchés en termes d'exportation d'hydrocarbures. Et je souhaiterais que vous nous éclaircissiez. Sur euh, eh bien, la manière dont vous avez anticipé avant de prendre la décision euh, d'engager les forces militaires françaises, dont vous avez anticipé la sécurité euh, d'approvisionnement euh, en termes d'hydrocarbures de la France, mais aussi de l'Europe, je suppose, euh, avec vos, vos partenaires européens. Euh, je crois que ce sont des enjeux intéressants, étant donné que les marchés ont temporairement, en tout cas, été euh, déstabilisés en termes de prix euh, du baril. Je vous remercie. Bien, Monsieur Dicker. Oui, merci, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, vous avez, dans votre propos introductif, rappelé un épisode de la campagne présidentielle de 2007, où, à l'invitation d'un animateur du petit écran, pour reprendre votre expression, vous avez eu l'occasion d'affirmer de, de, avec force votre position sur le nucléaire devant les ONG. Euh, S'agissant de ces ONG, moi j'aimerais, au regard de l'expérience qui est la vôtre, vous puissiez nous, nous, nous éclairer sur l'action qui était la leur, que vous avez pu mesurer au cours de votre mandat, et en particulier au lendemain de Fukushima. Et je souhaiterais aussi euh, recueillir votre avis sur l'influence qui a pu être la leur euh, dans les décisions qui sont intervenues au lendemain de votre mandat et qui ont mis à mal notre filière nucléaire. Euh, alors... Vous me rappelez un jeune député que j'ai bien connu, qui parle avec beaucoup de force et qui croyait que la force remplaçait la vigueur des arguments. C'était de moi dont il s'agissait. J'espère que, en vous comparant à moi, je ne vous ai pas blessé. En tout cas, de mon point de vue, c'était flatteur. <laughs> bon. bon. Alors, je vais essayer. Je vais vous répondre naturellement, mais je vais essayer. De... Bon, on ne va pas revenir. Si... Le président nous a dit, ce n'est pas un débat, c'est des questions. Mais quand même, moi je crois au marché européen. Pour une raison simple, vous le découvrirez. C'est que les Européens sont nos premiers clients. Et vous allez voir que le Brexit est une catastrophe absolue d'abord pour eux. Parce que vous ne pouvez pas vous couper de vos premiers clients. Et si vous croyez que vous pouvez tout prendre sur la table et rien donner aux autres, c'est que vous êtes au début de votre carrière politique. Et donc vous n'avez pas d'expérience parce que ça ne marche pas comme ça. Donc le marché européen, j'y crois. Et le marché européen, vous ne pouvez pas dire il y a un marché européen pour tout ce qui m'arrange, mais il n'y a pas un marché européen pour ce qui ne m'arrange pas. Ça, ça n'existe pas. Bon, vous vivez dans un monde avec des voisins. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. C'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas au Moyen Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-Ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vu, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, et vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille, vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. C'est pourquoi nous avons décidé enfin les, nos prédécesseurs, de construire un modèle d'union fondé sur quoi Sur le marché. La paix en Europe est fondée sur le marché. Nos pays avaient été ravagés par la guerre. On a décidé de produire ensemble de l'acier et du charbon. C'est le marché qui a fait la paix. Et ne pas comprendre ça, c'est un peu théorique. Deuxième élément, euh, euh, sur, sur, sur l'Allemagne. On est le dindon de la farce. Bon. C'est facile de dire ça et ça n'a aucun sens. Et je vais même vous dire mieux, quand j'étais plus jeune, je trouvais que Jacques Chirac en faisait trop sur le couple franco-allemand. Et moi, j'avais théorisé que c'était Paris, Berlin, Madrid, Rome, je voulais élargir. J'avais même pensé aux Polonais, qui le, le cinquième grand pays euh, euh, à l'époque. Et j'ai changé d'avis. Et j'ai changé d'avis pourquoi Parce que j'ai vu fonctionner l'Europe. Je l'ai vu parce que je l'ai dirigé. Je l'ai vu parce que j'ai siégé au Conseil Ecofin comme ministre des Finances, au Conseil des ministres de l'Intérieur, au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. On ne peut pas parler comme ça. L'Allemagne est indispensable au développement de la France et nous sommes indispensables au développement de l'Allemagne. Comme dans toutes les familles, monsieur, il y a des désaccords. Il y a des bagarres, comme dans tous les couples. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit divorcer tout de suite. Et vous êtes bien de votre génération. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on divorce. Voilà. Allez, boum. On fait tout flamber. On fait comme si on était le centre du monde. Vous n'êtes pas le centre du monde. Réfléchissez plus. Vous avez beaucoup de talent, beaucoup de force, et ça m'est sympathique. Prenez de l'épaisseur. Ne dites pas ça. Parce que c'est faux. Je ne dis pas ça parce que vous êtes au Rassemblement national, mais vous savez, je respecte tout, toutes les opinions. Et après tout, euh, Madame euh, Le Pen a voté pour euh, Hollande. Euh, euh, on a le droit d'avoir euh, fait des erreurs dans la vie. Hein? Hein? Bon. Donc, vous euh, vous dire que je ne suis pas d'accord avec tout avec vous. Hein? Vous aussi. Oui, oui. Bon. Et donc, bon. Mais ne parlez pas comme ça du, du couple franco-allemand. C'est trop grave. C'est trop important. Un peu comme le nucléaire, mais plus important. Il faut mesurer ça parce que des gens sont morts. Hein Quand on dit la Deuxième Guerre mondiale, c'est fou, il y en a eu trois. Hein parce que les gens de, de territoire de Belfort... Euh, hein euh, euh, exactement. Hein et et euh, ils savent parfaitement ce qu'il ce qui, ce qu en était. Trois fois. Hein Donc, excusez-moi, je ne peux pas vous suivre là-dessus. Vous dites votre amour de la concurrence. Oh, bon, attendez, vous êtes converti. Vous êtes converti au communisme, tant mieux. L'amour de la concurrence, je ne suis pas du tout un théoricien. Je pense que de tous les systèmes économiques qui ont été euh, euh, essayés, l'économie de marché est le meilleur. Je ne suis pas le seul à le penser. Il faut quand même être, être totalement aveugle pour ne pas comprendre ça. Alors, vous, je vois bien, il faut. Il, il, tout est bon dans le cochon. Alors, bon, mon amour de la concurrence, il y quoi, mon amour de la concurrence Oui. Je crois que la concurrence, vous savez, je crois à l'émulation, je crois au mérite. C'est pour ça que la France populaire m'a écouté. Je crois à l'émulation, au mérite. Et, elle vaut quoi l'émulation et le mérite s'il n'y a pas de la concurrence hein Si c'est toujours les mêmes qui ont la même chose Si que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, il y a la même chose. Oh, bon, revoyez votre, 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 vos, 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 vos classiques. Bon. Alors, sur Le Père et, et Flamanville, euh, des dérapages Oui, bien sûr, bien sûr. Mais enfin, je vous rappelle que euh, les Chinois, qui sont connus pour être bien organisés avec d'autres concepts, ils ont eu aussi les dérapages. Je vous l'ai dit, c'est une nouvelle technologie. Ce n'est pas simplement parce qu'on est tous des imbéciles. Et je suis sûr qu'un un jour c'était vous, alors vous, vous êtes capable de diriger l'OPR, de voir que ça marche impeccablement, qu'il n'y a pas de dérapage, qu'il n'y a rien du tout. Bon, bah oui, bah diriger l'OPR, ce n'est pas diriger montre-tout. Hein. C'est un peu plus compliqué. Encore que, là aussi. Alors, alors, oui, oui, mais, mais je vous réponds, je vous réponds. Non, mais je fais de la politique, moi aussi. Je, je sais quand on me cherche ou quand on veut me trouver. Je vous donne, ne faites pas votre Ce C'est pas être désagréable que de vous dire ça. Au contraire, je pourrais dire, je réponds pas, j'ai pas entendu. Bon. Alors, vous m'avez interrogé sur la Libye et la décision. Mais c'est pas une décision française, monsieur. La grande différence entre la décision de George Bush en Irak. Et la décision sur la Libye, vous savez laquelle c'est C'est une décision du Conseil de, 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 de l'Assemblée de générale des Nations unies. Nous avions un mandat. Il y avait un mandat. Attention, quand M. Bush va euh, 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 en Irak, il n'y a pas de mandat. Quand la coalition de 53 pays va en Libye, il y a un mandat officiel. Officiel de l'Assemblée générale des Nations Unies. Peut-être qu'il y a des dysfonctionnements, mais ça compte, ça fonctionne. Bon. Et, et puis pour le reste, euh, la politique, c'est la politique, et je vous souhaite la carrière la plus vibrante qui soit. Euh, sur les ONG, c'est très curieux ce qui s'est passé. Pourquoi les responsables politiques n'ont pas une bonne image médiatique, et pourquoi les dirigeants d'ONG... Ont une image favorable. Et là, ça concerne absolument tous les, euh, toutes les formations politiques. Je trouve que c'est injuste. Euh, les dirigeants d'ONG restent à la tête de leurs ONG sans que personne leur demande de compte, bien souvent. Les dirigeants politiques, vous pouvez être battus. C'est clair. On y va à découvert. Et euh, malgré ça, les dirigeants politiques sont très souvent critiqués, injustement critiqués. La précarité, d'autant plus avec le, la règle du non-cumul des mandats, est colossale. Et euh, euh, sur le, un plateau médiatique, si vous êtes sur une ONG, vous êtes considéré comme plus représentatif que si vous êtes élu d'une circonscription membre du Parlement. Je, je, je n'aime pas ça. Je vous le dis très franchement, je, je n'aime pas ça. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la discussion avec les ONG, puisque, comme vous le savez, je les ai mis sur le cœur dans le gre Grenelle de l'environnement. Mais pour moi, la souveraineté populaire, elle est celle du Parlement et du président de la République. Et en aucun cas du mouvement associatif. Le mouvement associatif est extrêmement important, extrêmement généreux, je, je n'ai rien à dire là dessus, mais excusez moi, le peuple s'exprime au travers des parlementaires qui soit de gauche, de droite du Rassemblement national, peu importe. Et une fois, c'est pour ça que moi j'ai jamais compris pourquoi on disait, euh, il, y a, il y a un pacte, le, euh, vous êtes élu, vous faites partie de la République. Si vous n'étiez pas euh, 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 républicain, on ne vous laisserait pas vous présenter. Bon, et c'est les Français qui vous envoient. Et, je, et, oui, je, et cette question-là de, de, la, de la différence d'image, nous devrions, me semble-t-il, y penser tous. Euh, je vois des représentants d'ONG de, 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 ou d'associations qui ne représentent rien prendre la parole tout le temps et euh, des parlementaires, quel que soit leur euh, engagement politique, être mis en bout de plateau <laughs> à qui on donne euh, avec des pincettes la parole et oh « oui, mais vous, vous êtes un politique. Et alors C'est ma noblesse. Et alors Ça vaut quand même autre chose d'être politique. Il faut se présenter aux élections. Il faut être battu. J'ai pas un centimètre, moi, de mon corps, il n'y a pas de cicatrice, on n'a pas volé la place. Donc oui, oui, je, je, c'est un grand problème, et votre commission peut participer à la euh, résolution d'une partie du problème en mettant des gens différents, femmes et hommes, à discuter ensemble et à, à produire un rapport sérieux qui n'a d'autre objectif que de tutoyer la vérité et non pas de chercher un effet d'image. Voilà, je, 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 et je, et je le dis pour tous les représentants ici des formations politiques, quels qu'ils soient. Merci beaucoup, euh, Monsieur le, le Président de la République. Je vous remercie euh, très sincèrement. crois que ceux qui ont voulu poser des questions ont pu les poser. Euh, je, vous, je vous remercie très sincèrement pour euh, les deux heures et quart que, deux, deux heures trois quarts que vous nous avez consacré. Je crois que c'est une, une première. Le président de la République n'est pas responsable d'un point de vue de la Constitution devant le Parlement. Et vous avez néanmoins accepté de répondre à notre invitation pour venir partager avec nous la façon dont vous avez perçu ce sujet de l'énergie au plus haut niveau de l'État, qui est bien au niveau stratégique et pas au niveau de la, de la tuyauterie de détails, tel que vous l'avez précisé. Merci parce que euh, votre éclairage nous sera utile. Merci pour votre verbe et, et l'expérience que vous avez partagée avec nous. Puis-je vous remercier, vous, parce que ça m'a donné un coup de jeûne quand même. <laughs> bon. Bon. Et, et je, je voudrais qu'on qu comprenne qu'en terminant, que pour moi, euh, la politique m'a tellement apporté, j'ai essayé de lui donner, mais elle a tellement apporté, que je, je n'aime pas l'idée de c'était mieux avant. Je mon devoir, c'est aussi de participer à ça et, et de rencontrer les, les nouveaux élus. c'était un, un plaisir d'avoir cet échange. je vous remercie. merci, monsieur le président.